Et de retour, les amis. On est ici pour le lobby. Ça y est. Aïe 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 J'ai mal. On est ici pour le lobby. Et joli techpack, pack, tu as trouvé la commande à Kali. Tu l'as. Bravo. Alors, le lobby, les amis. C'est parti pour les questions. Alors, déjà, 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 déjà. On va s'occuper d'une chose. Euh, j'ai cru comprendre euh, qu'il y avait un énorme problème. Qui est de. Déjà, j'ai oublié mes lunettes. Déjà. Ça a l'air d'être rien, mais c'est pas très pratique. Donc, pour le lobby. À sortir les autres. Bonjour, mes amis. Ici, un nouveau Léla Riva. Qui n'est pas Superman cette fois-ci, il a d'autres lunettes. Déjà, expliquons une chose. Qu'est-ce que le lobby pour ceux qui connaissent Alors le lobby, c'est le nom que j'ai donné à ma foire aux questions. Euh, L'idée, c'est d'envoyer des questions. Euh, généralement, c'était sur Discord euh, ou euh, aux commentaires à questions sous les vidéos YouTube. Et euh, je me suis dit qu'en live, ça serait plus sympa parce que bah il pourrait y avoir euh, des questions pour vous et des interrogations. Le problème que je rencontre à l'heure actuelle, c'est comme c'est le premier live, j'ai pas euh, les moyens habituels pour juste filtrer les questions parce que sur YouTube, c'est facile. Tu m'envoies un super chat, ta question, elle est traitée en priorité. Sur euh, Twitch, c'est probablement facile de dire eh, écoute, si tu, si tu lâches un abo, bah, tu poses ta question avec et elle sera répondue. Donc, ce qu'on va faire déjà pour le moment, ce qu'on qu qu va vraiment faire, euh, c'est. Bah, J'ai 50 questions qui m'ont déjà été posées. <laughs> Donc, on va se les faire. Mais avant, on va parler un tout petit peu ensemble. Vous allez avoir début du lobby où vous avez des questions dans le chat, allez-y. Euh, même si euh, là, mes modos, sont littéralement en train de, de, de spam le chat de questions. Ah là 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 là, ça commence déjà. Et pour la question, la question suivante, il y a une question qui a été posée il y a très longtemps, c'est est-ce que c'est une bonne situation, ça scribble Bien entendu. C'est surtout une histoire de rencontre, je vous rappelle, les amis, la position de scribble. Et moi... Soyons clairs, la top lane, je vis la top lane. Je, je suis pas la top lane, je vis la top lane. Je souris à la top lane, je vis la top lane, c'est ça qui m'intéresse. Pour la suite, c'est parti. Tu penses quoi de Belvet Mid Non, c'est des questions sur tout ce que vous voulez. C'est des questions sur tout ce que vous voulez. Bon, je vais commencer, moi, par allumer mon chat pour que. J'arrive au moins à vous. Voilà, j'ai un chat. Est-ce que euh, je pense de Velvet mid Bah Velvet mid, en fait c'est un pic où c'est un peu comme Viego Mid, où soit tu es très fort dessus, tu arrives à jouer le playstyle qui est un peu particulier et à rouler sur tes adversaires et ça va être sympa. Euh, soit ça reste un pic qui est troll dans la majorité des... des choses. Quel est ton champion préféré, lore-wise Parce que bon. Euh... Tudal, c'est un modo, euh, c'est une blague qu'on a, et effectivement, euh, ça ne fonctionne pas, c'est pas une question. Quel est ton champion préféré, Lorewise euh, En termes de lore, je dois avouer que j'aime bien tout ce qui se passe autour des îles obscures. Souvent assez sympathique, euh, ils ont pas mal densifié le lore, et je trouve ça assez cool que Yorick est un lore qui transparaît dans le jeu. Ce perso, il a un lore de. Qui a l'air assez vide mais qui est dans toutes les îles obscures. Et ensuite, euh, à chaque fois que vous êtes dans des. Euh, à, à chaque fois que vous êtes dans le jeu, quand vous êtes en train de jouer à la faille de l'invocateur, c'est bien, vous appuyez sur R et vous jouez au lore de Yorick. La musique change, il parle aux morts en permanence, et je trouve que le lore il est assez sympathique. Sinon, j'aime aussi Clet pour le lore dans le jeu, parce que le type est à moitié fou. À moitié fou Et <laughs> c'est l'enfer C'est l'enfer pour lui. Euh, de la part de Sacha Dan, est-ce que tu penses que le buff de Vel'Koz pour le prochain patch a quelque chose à voir au fait qu'il est disparu de la tier list à l'avant-dernier patch <laughs> Oui, probablement. Euh, ma tier -list, plutôt une conséquence qu'une cause, mais oui, probablement. Euh, si Vel'Koz se met à perdre en popularité, c'est que le champion a un souci. Donc ils sont venus aller à. Riot, il parle de subvention. Euh, ils se sont, ils sont mis à parler de winrate subventionné. Il euh, y a des personnages dont Riot dit pour que l'équilibrage soit bon, on doit subventionner le winrate à 51, 52, 53%. Parce que dans les faits, pour le joueur moyen, si le perso est équilibré à 53% sur les joueurs qui sont très bons, de, qui, qui le jouent, celui qui débute, il va être à, au bon winrate. Et c'est pour ça que vous avez des persos comme Anivia, comme Tarik qui sont subventionnés à 52-53%. Parce qu'en fait, si t'es pas un gros main dessus, c'est un peu compliqué. Vel'Koz, ils ont parlé de le subventionner. Oui, je, je sais pas de l'état, mais c'est autre chose. On sait tous que Frick regarde les tier lists de les pour faire l'équilibrage. Non, par contre, les utilise des les lives de, de Frick pour équi, expliquer la tier list. Ça, c'est très important. Euh, Yumi Jungle, non, je n'en parle pas. <laughs> Est-ce que je suis heureux Bien entendu. Euh... Et non, Fantôme, j'avais la ref. Euh, genre euh, Astérix et Cléopâtre, euh, je l'avais depuis très 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 longtemps. C'est juste que j'avais décidé de ne pas y répondre comme ça parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Pourquoi autant de haine envers Akali Le perso est vraiment stylé. Dites-moi les modos, euh, pourquoi il est encore dans le chat l'adorateur d'Akali Expliquez-moi, juste un tout petit peu. <laughs> le Théo Le Théo Le Théo <laughs> Non, blague à part, pourquoi j'aime pas Akali Ça vient. Il, il s'agit d'une histoire très vieille où le League of Legends moderne n'était pas aussi moderne, où nous pouvions utiliser des pinks pour voir les gens invisibles, que Shako avait tendance à mourir quand on posait une pink à, au pied de la DC, qu'il voulait... <laughs> non, on va pas de Théo, t'inquiète pas. Mais, a long time ago, Lelariva découvrait la nouvelle Acalimide. Et comme Lelariva était un joueur de mid-lane et de bot-lane de 3v3 à l'époque, ouais, cette époque-là, je jouais Malzar. Et Malzar, c'est pas très dur à jouer. Genre, t'as un assassin qui te dive sous tourelle, t'appuies sur R, l'assassin qui dive sous tourelle meurt. J'ai joué contre Akali à la sortie. Et Akali a essayé de me dive, a pris l'agro la tourelle. J'ai appuyé sur R sur elle. Et à la smoke, une, demi, une fraction de seconde avant mon air. A partir de ce moment-là, en étant sous tourelle avec l'aggro de la tourelle, moi qui, R, qui ai touché mon E et qui ai touché mes bestioles, la tourelle perd l'aggro. Mes bestioles perdent l'aggro. Je ne vois pas de dégâts. Et ensuite, à la fin de mon air, où elle a passé 3 secondes sous tourelle, elle se retourne vers moi et me one-shot. Ah oui, je vous ai oublié. Elle est invisible dans la smoke neutralisée. À partir de ce moment-là, peut-être que j'ai le droit de détester ce champion. Ou si tu touches un sort qui s'appelle le E, tu as un auto-aim sur tout le reste et tu matchotes les gens. C'est même pire que ça quand tu connais Akali. Si tu appuies sur ton R1 et le E au bon moment, ce qui est un timing qui n'est pas très dur à apprendre, tu as un auto-aim sur le E qui est le sort qui fait beaucoup de dégâts sur Akali. Ouais, Akali, j'aime pas ce champion. Accessoirement, quand je jouais plus euh, mid et que je jouais top jungle avec euh, quelqu'un et qu'on était en train de carry des games, il y a une Akali mid, on peut pas snowball, à l'appui sur smoke et on arrête de jouer. On a fait Poppy Garen. Je... Ah Non, je n'aime pas Akali. Euh, tu penses quoi de la récente inflation des statistiques des items Je suis le gouvernement, c'est pas possible. Je parle de champions subventionnés en winrate, on parle d'inflation, on parle de... Je, je suis au gouvernement, c est, c est, c est... Bien su... Bienvenue mes amis, je, je, je m'appelle Léla Riva, le ministre du LOL. Euh, c'est comme ça que ça marche. Euh, la restante inflation des ATIC et des items est normale. Euh, dans les faits, tout comme l'inflation que vous avez dans le monde, euh, elle est attendue celle-là. Mais ça c'est un autre sujet. C'est le physicien qui vous parle. Euh, vous avez une inflation liée au fait qu'on récupère beaucoup plus de gold qu'avant. Et donc le jeu va trop vite parce qu'on a trop d'items. Et c'est ce qui se passe assez logiquement quand vous avez ça. Riot Games a le pouvoir de changer la réalité du monde, c'est-à-dire que quand les items sont pas assez chers, ils changent le prix. Alors, chose qu'on n'arrive pas à faire dans la vraie vie, c'est pour ça qu'il y a de l'inflation. Voilà. Euh, le, le prix change de manière un peu incontrôlable pour tout le monde mais euh, dans League of Legends ils peuvent faire ça ils ont vu qu'en fait on avait trop d'objets donc ils ont dit chaque objet sera plus cher ça s'appelle de l'inflation et ils vont être moins efficaces ce qui fait qu'il faut en acheter plus pour faire la même chose c'est comme quand dans les pots de yaourt on diminue la quantité pour garder le même prix sauf que Riot Games ils ont fait, ils ont diminué la quantité dans les yaourts et ils ont augmenté le prix c'est pas mal donc vous avez moins de yaourts et pour manger la même chose il faut manger plus de yaourts et payer plus cher c'est ce genre de choses. -là. Et euh, il voulait ralentir le jeu, donc il voulait qu'on ait moins d'items, qu'on joue plus nos champions. Coucou, euh, cou santé du coup. Et donc que les items soient euh, vraiment plus chers. C'est ça que tu as obtenu. Euh, pour la question suivante En juggle, si tu as de l'avance, et tes mates du retard, des conseils pour win en prendre un, sur le, euh, en pr euh, <coughs> prendre ton mate sur lequel tu as le plus de chances de gagner, et jouer sur lui. Et dire aux autres débrouillez-vous. Perdez le plus lentement possible, c'est leur job. Euh, tac, 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 tac. Alors, excusez-moi, le chat là qui commence à, à m'embêter. <laughs> à moitié, c'est Page qui fait la voix lane. Ouais. Pourquoi Irelia, c'est rare en compétition En compétition, au mid, tu as besoin de dépouches. Les mêlées sont notoirement nuls à ça. Tu remarqueras que Yone, qui est un mid qui peut jouer safe en se projetant vers l'adversaire, qui a des options qui sont relativement euh, en, en range, ne lui permettent pas d'être trop méta, sauf s'il y a des champions qui, qui le bully qui sont méta. C'est ça qui pose problème avec Irelia. Les, les mid sont toujours forts quand ils sont trop forts. Parce qu'ils se mettent à stat check les ranges, les ranges n'arrivent plus à jouer parce qu'ils meurent, et du coup ça devient mid contre mid. C'est pas, pas ça. « Quand tu penses remettre des places pour le coaching ?» Quand j'ai du temps. Parce que, soyons très clairs, avec 10 personnes à coacher, sachant qu'un coach, un coaching ça dure une heure par mois à peu près. Non, j'en ai 10 personnes à coacher et 10 personnes à review. Euh, j'ai, je, je pense, entre 30 et 35 heures de boulot sur eux, juste à ça dans le mois. Ce à quoi, vous remarquerez qu'un 35-40 heures, c'est une semaine de boulot. Alors, même si je bosse probablement plus que ça, il y a du boulot. Donc je vais finir les gens de, de faire rentrer les gens qui sont importants, qui ne sont pas encore rentrés. C'est pour ça qu'ils sont importants. Ils doivent rentrer dans le système. Je dois commencer avec eux. Je passe plus de temps sur les premières sessions parce que je dois décortiquer leur jeu. Et du coup, je remets pas de coaching tout de suite. Euh, Est-ce que tu as une non-populaire un opinion sur un champion Bah déjà, j'aime pas Akali. <laughs> Déjà, c'est pas très populaire vu les skins qu'on fait dessus. Euh, un champion sur lequel j'ai une populaire opinion. Je trouve, euh, et ça c'est par quelqu'un qui aime jouer team au top, qui aime jouer queen top, euh, j'aime tout jouer à la top lane, que les range tops c'est pas nécessairement mauvais pour la top lane s'ils sont pas trop forts. Et notoirement queen. Euh, c'est juste que. Euh, c'est des styles de jeu qui sont si différents du euh, « Chad, euh, je me bats sur la top lane, oh, je vais me battre avec mes propres points, 7 euh, euh, like », que euh, c'est pas très apprécié. Moi, j'apprécie jouer ces champions, je ne les joue pas parce qu'ils sont trop durs à cliquer. Euh, et j'ai une populaire opinion, j'aime pas Vayne dans ce style-là, parce que c'est vraiment pas interactif. Timon, faut pas jouer dans ses champis. Queen, une fois que tu l'attrapes, elle meurt. Vayne, faut l'attraper dix fois. C'est pour ça que j'aime pas Smolder quand ça l'arrive face à des tanks, je la joue beaucoup, je peste beaucoup parce que Smolder, c'est quand même un personnage qui est dur à attraper et qui va te bully longtemps, 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 longtemps avec des sorts de loin parce qu'il est fait pour être joué contre des ranges. Contre des mêlées, c'est beaucoup plus compliqué. De Trémis Abdul, euh, j'ai pas trop de retard encore. Je suis un joueur qui enjoy beaucoup les flex et les clash. Tu aurais des chaînes ressources concernant la macro team. J'insiste sur le fait que ce soit des ressources pour les teams. Très peu. Très, 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 très peu parce que souvent c'est des chasses gardées des coachs. Euh, il faut que les coachs soient bons, et les coachs qui sont capables de t'expliquer proprement la macro, j'en connais peu. Parce qu'il y a une différence entre connaître la macro, la connaître à un niveau moyen, bon, plus élevé, euh, c'est comme mes guides. Mes guides s'adressent plutôt à des gens qui sont entre le iron et le diamant. Je peux monter au master, mais le problème des masters, c'est qu'il faut que je commence à être précis sur eux. Et du coup je pars du principe qu'il y a des choses qui sont maîtrisées. Et donc il faut, faut, faut gérer le niveau. Si tu prends un coach de LFL, une... les coachs de LFL sont normalement capables de coacher des équipes de div2 de LFL et de prendre le début d'une équipe de Mastercard Nexus Tour en disant si j'ai des bons joueurs je vais leur apprendre des choses. Le niveau d'en dessous faut commencer à baisser très fort, donc ça dépend à quel niveau tu es. Les fondamentaux sont à peu près les mêmes, et... mais j'ai pas de bonnes ressources là dessus. Je suis pas sûr que j'en ferais. Mais euh, si vous avez un coach dans le chat qui euh, a du temps à perdre pour faire des vidéos YouTube, qui aide les gens en équipe, qu'il se manifeste. Euh... Fun fact, <laughs> Velko n'a pas reçu de nerf depuis le 8.2, ça fait 6 ans. Et bah, mais plus il y a de Dash, plus Velko c'est dur à jouer. Que penses-tu de Kindred Jungle Enfer Je vais enlever le Enfer, soyons très très très, très, très clairs. Tous les champions sont jouables à tous les niveaux pourvu que tu mettes le, le temps de jeu. Dès que tu arrives en challenger, ça change un peu parce qu'il y a un problème de temps de jeu. Les champions méta sont plus faciles à maîtriser que les champions off-meta. Souvent c'est ça pour le faire rentrer. C'est pour ça que vous avez des spécialistes qui ont leur pick et quand ils sont dessus, ils sont imbattables. Parce que juste ils ont plus de temps de jeu que les autres. Et en équipe, il y a, le jeu change, du coup il y a des champions qui deviennent, euh, qui deviennent difficiles à jouer. Kindred Jungle, si ça te plaît, joue-le en fer. C'est moins efficace en moyenne parce que tu cliques en général moins bien à en faire. C'est des champions qui, qui demandent que tu cliques ou que tu comprennes le jeu. Si tu joues à un perso qui comprend le jeu et toi tu comprends pas le jeu, bah, c'est un peu dommage. A l'inverse, si tu joues à un champion qui demande de, euh, de cliquer et de comprendre le jeu et que tu comprends le jeu, bah, tu vas au moins avoir la moitié. C'est ça qui est important. Comment avoir une airline aussi propre que la tienne, je suis jaloux Ça s'appelle aller chez le coiffeur la veille. <laughs> C'est juste ça. Est-ce que j'ai vu le clip de Faker avec Silas contre la Harry de Chauvy Ouais Ouais J'ai vu les deux clips. S'il n'y en a pas qu'un seul. Euh, alors comment est-ce que je vous le montre? J'ai vu les deux clips. Euh, alors, il faut que j'aille sur... C'est où que je l'ai vu, celui-là ah, Parce que j'en ai vu un, qui. Enfin, c'est Skillcap qui nous a fait une vidéo qui était... Oui, Skillcap qui nous a fait une vidéo où en fait, Faker, il feinte un bisou quatre fois au corps à corps de Chovy avec sa Harry et il finit par le toucher grâce à ça. Enfin, c'est un, 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 un scandale. Regardez ça, c'est sur Skillcap capte en short euh, récemment euh, c'est euh, Faker qui a outplay un bisou sur Harry et tout le monde sait que les joueurs ils avaient les réflexes pour euh, pour dodge un bisou de Harry au corps à corps s'il voyaient l'animation. Il a mis trois autos au corps à corps de manière à feinter le bisou. Incroyable. Là, franchement, ce duel là, vous prenez toutes les interactions micro et on peut faire une vidéo dessus. Ils sont si forts ces deux joueurs. C'était vraiment incroyable. Ah. Préfères-tu jouer à Kali ou te friter avec des Mbessa pour les 10 prochaines games après sa sortie MBSA tous les jours Les gens seront nuls dessus euh, Que penses-tu d'Evelyn en OHLO Master Plus Je pense qu'en Master Plus, les gens vont commencer à te respecter, et c'est le problème. Evelyn, ça nécessite que les gens jouent mal. C'est... Blague à part, c'est vrai, s'il commence à pink au bon endroit, à savoir qu'il faut ward camps, ce genre de choses là, tu vas voir, les junglers ils vont le traquer, et s'ils disent à quelqu'un, il y a Evelyn là, il joue pas. Et donc en master plus, tu vas commencer à avoir du, du mal. Euh... Quand tu perds ta lane au top, comment appliquer la macro top Tu dois rester avec le top ennemi pour le bloquer sur la lane ou aller vers l'autre side Tu restes sur le top ennemi pour perdre le plus lentement possible. Tu récupères des ressources, tu récupères des ressources. Le but du jeu, c'est de rester haut en point de vie. Tu arrêtes de trade. Si tu sais que l'adversaire te domine, tu trade plus. Tu acceptes de perdre un ou deux millions par wave s'il y a besoin. Quand tu... Et tu récupères l'XP. C'est l'XP qui est importante plus que les golds. Euh... Que penses-tu d'un mode de jeu où on pourrait rejouer les champions avant leur rework Non. Parce qu'en fait, le code du jeu a trop évolué depuis. Euh, je pense que c'est impossible à faire. Ça serait fun, hein. Pour l'esprit, ça serait fun, mais c'est impossible à faire. L'ancienne Akali était plus balanced. Non, elle était plus contrable. C'est différent. Euh, TikTok, c'est du vol de contenu en permanence. On ne va pas t'en vouloir. Attendez. Ça veut dire quoi ça du coup Parce que j'ai commencé sur TikTok moi avec tous mes guides là J'en ai des plombes <laughs> Attention à pas confondre euh, à, à pas généraliser. Attention à pas généraliser. Il euh, y a des gens qui font ça, mais il y a des gens qui font ça sur YouTube aussi. Il y a des gens qui traduisent mot pour mot des vidéos. Vous cherchez dans chaque pays et il y a un Cyprien avec les mêmes sketchs. Et c'est Cyprien qui les a fait en premier. Mot pour mot. Hein. Euh... Oui, peut-être Canyon. Euh, je, je ne sais plus. Alors. Tu préfères affronter le Jax de Beans ou la veine de Zeus euh... <laughs> euh... Je préfère subir les foudres de Jax et envoyer Vayne à la benne, si vous voyez ce que je veux dire. Sage. je veux. En Bessin, ça arrive en compétition sans compter le fait qu'elle va être broken à la sortie. Oui, probablement. Comme à peu près tous les champions qui ont beaucoup de dash, euh, à risque d'être soit peu forte ou soit, soit autre chose. La vérité sur les larivailles vol du contenu depuis 5 ans parce qu'il est sur TikTok. Euh, blague à part, je fais en français les contenus que je ne trouve pas en français. Si je les trouve en anglais et que. En fait, c'est l'idée, c'est que moi je suis beaucoup le YouTube anglais pour apprendre, parce que YouTube anglais, il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas faites en France. Et ensuite, je suis venu faire ce que je n'ai pas trouvé en France. Euh, en outre, ça veut pas dire que je plagie haute, mais que le concept du. T'as un type euh, qui a un bloc-note, oh, pardon, il y a un type qui a un bloc-note et qui est capable d'écrire dessus, je... je peux trouver des youtubeurs anglais qui le font. T'as un concept de quelqu'un qui, euh, qui est littéralement là, comme ça, devant une caméra avec un chat en haut, bon, tous les streamers le font, quoi. La question c'est où ça commence à copier et où est-ce l'inspiration. Quand tu fais, tu. Du... Quand tu prends la même vidéo et que tu la republies sans transformation, ça c'est de la copie. C'est la transformation qui est importante. C'est un peu, c'est un peu difficile. Par contre, oui, c'est vrai qu'il y a un YouTuber qui fait des shorts. Il s'appelle Lela Riva et il vole le contenu d'un TikToker qui fait des tiktok et qui s'appelle Lela Riva. Genre, c'est quasiment les mêmes. C'est terrible. Genre, c'est à croire que c'est le même type qui publie sur les deux plateformes. À croire que c'est ça. Tac 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 tac. Question suivante. On va la voir. Orlol, est-ce que tu as des passions Si oui, lesquelles Pour ceux qui ne me connaissent pas, je, il se trouve que je fais des études et que je suis docteur en physique des particules. Donc, euh, vous parlez d'ingénierie, vous parlez. Je suis ingénieur aussi. Euh, vous parlez de physique. Ouais, j'aime bien. Euh, vous remarquerez que je vais aussi pouvoir parler d'autres trucs comme de l'économie, de la société. J'aime un peu tout. Je, suis assez, euh, je, parle, je, je regarde un peu tout. Euh, ça, c'est assez sympa. Bonjour Lélariva. Selon ton point de vue, les réductions de CD de l'ulti duo e de Katarina dans le prochain niveau du prochain patch auront un impact conséquent pour le perso ou pas Je ne sais pas juger ce genre de choses-là. Pour la bonne et simple raison que c'est extrêmement difficile de voir l'impact à ce genre de choses en CD. La question, c'est est-ce que tu passes un seuil euh, On peut prendre le réchauffement climatique comme exemple. C'est la même chose. Tu augmentes... Tu... Enfin... Euh... World Games fait un page qui dit La température de l'atmosphère augmente de 1,5 degré. Tu vas me dire, je, peux, je suis capable de prédire que les gens vont avoir un peu plus chaud, qu'il va y avoir des canicules. Ce, que je suis un peu difficile à, ce qui est un peu plus difficile à voir, c'est est-ce que la calotte des, des pôles va fondre Si oui, on passe de il y a moins de neige à il n'y a plus de neige du tout et plus de glace sur l'océan, et l'océan prend un mètre et demi. Katarina, c'est un peu le même délire. On passe des seuils, sachant qu'il y a des réductions de CD sur Katarina, ça veut dire que combien de moves va passer, qu'elle passe pas. C'est ça qui est assez difficile à voir dans League of Legends. Par moment, il y a des ups qui disent alors, si sur la planète Terre j'augmente de 10 degrés, oui, il n'y a plus de glace partout, je sais. Si c'est un peu plus léger, c'est un peu plus dur à voir. Katarina, on rentre là-dedans. C'est censé, selon Riot, être euh, quelque chose où on va chasser euh, les main Katarina. Donc les gens qui sont trente 37, 38, 70, ce genre de choses-là. C'est ce genre de choses-là qu'on a. Euh... Il y a des gens qui prennent des TikToks pour les mettre en YouTube short direct. Oui, je sais, je sais, je sais. J'en fais partie. Hein. Je prends mes shorts et je les mets sur euh, mes, mes YouTube et mes TikToks et je les mets sur short parce que TikTok, c'est un peu plus long. Euh, la vraie vidéo, elle est sur TikTok. Le... Il, y a des... Il y a un peu plus d'infos en général. Euh, Est-ce que tu te lances sur Twitch pour de bon eh ben, Tu sais, hein, Twitch, j'ai commencé en 2017. Hein. Juste j'avais moins de vue à l'époque. Est-ce que dans 5 mois on parlera d'Ambessa Gaming Oui. Oui, parce qu'on parle de champion gaming quand c'est trop fort. On parle de Vein Gaming, on parle de K-Santé Gaming, on parle de euh, tout Gaming en fait. Viego Gaming, ça marche aussi. Euh, tu me rappelles beaucoup le contenu que je faisais tâche et j'aime beaucoup. Merci pour le compliment. C'est... C'est très très fort. Les tier -lists, je doute que ce soit du copier-coller. C'est une tier list, quoi. <laughs> tu mets les rangs et tu mets les champions dedans. Le concept est assez simple. Euh... Oui, Tolkien qui... qui faisait du bloc-note, oui, ça date. Pourquoi est-ce que dans la méta actuelle pro, on voit pas Rise uh, Rise est un, un champion qui fonctionne à une range précise. Alors, c'est. Alors là, pour le coup, je vais répéter Zaboutine à l'époque. Voilà, vous avez la source. Ça, ça s'appelle ne pas faire du plagiat. Ça s'appelle répéter ce que dit quelqu'un. Si vous le sourcez, c'est pas du plagiat. Vous avez Quand vous avez Rise, et vous avez vu, j'ai même le coin pour dessiner maintenant, euh, Rise, il a cette range-là. Cette range-là, elle est hyper fine, c'est cinquante de range. Et elle n'est pas très haute, c'est pas dans sa range max, c'est un peu dedans. Et à cette range-là, Ryze ça a le plus de DPS du jeu. Ça a le plus de contrôle. C'est le mage le plus fort du jeu. Problème. League of Legends, ça se joue à très longue range. Ou ça se joue à très courte range. Le mid range est moins intéressant. Et si tu as une plage de range qui est très fine, ça implique que tu spaces parfaitement ton adversaire. La distance que tu as à ton adversaire soit nickel. C'est super dur à jouer. Et à l'heure actuelle, dans League of Legends, il y a beaucoup de choses qui est autre euh, Rise et a beaucoup de choses qui vont lui rentrer dedans trop fort. Et Rise, il n'aime pas. Du coup, comme il est fort dans cette range-là, ceux qui sont là sont plus forts que lui, et ceux qui sont là sont plus forts que lui. Et c'est un problème qu'il a. Il est en train de revenir. Euh, bah, D'ailleurs, c'était... Euh, dans mes tier c'est la, la vraie surprise que j'ai eue quand j'ai vu rise en plus. j'ai fait... Pardon, positif. Hein Quoi Rise ça fait des années qu'on l'a pas vu, il n'y a pas eu up, il y a machin. Mais maintenant, on a l'air d'avoir compris qu'on euh, peut le rejouer séculaire, on peut le rejouer avec un bâton de l'archange, et ça a l'air de fonctionner. Il prend de la popularité. Euh, J'ai pas vérifié là récemment s'il avait continué à, à pousser. Euh, que je vous regarde ça. Euh, parce que mon ami Rise. Non, pas ce Rise là. J'ai pas tapé. Ouais, le peak rate a, a, a monté un tout petit peu, il est allé au-dessus des 2%, et notamment le, le, le fait qu'il arrive top. Et là, pour le coup, je vais vous montrer ça, ça sera plus facile. Si je vous mets l'écran, ça c'est Rise Mid. Rise Mid, voici le win rate, bon c'est ce qu'il est, mais surtout voici le peak rate. Il a augmenté un tout petit peu en peak rate, pas grand-chose. Voici Rise Top. Et rise top là, on est en train de voir le début d'un pic qui prend la la puissance. Le rise mid il est seulement là. Hein. Le nombre de games de rise augmente. Le ban rate de rise est en train de monter. C'est véritablement quelque chose de surprenant. D'où le fait que rise euh, c'est un peu plus dur. Euh, c'est quand que tu fais de la vulgarisation pour nous bah, J'en fais déjà, hein. j'en parle entre temps. Hein. Katarina réchauffement climatique, euh, c'était pas mal, non euh, Est-ce que tu penses que tu vas euh, te diversifier en termes de contenu dans le futur Est-ce que tu as un OTP LOL à vie Deux secondes. Deux secondes, mon ami. Ah, Est-ce que j'ai ça qui traîne Alors, c'est la scène. Et est-ce que je mets ça Deux secondes. Attendez, il faut que j'aille chercher un truc à côté de mon. Voilà. Alors, je vais lire la définition d'un OTP sur ce polo c'est quelqu'un ou euh, à quelque chose qui est seulement bon à faire une seule chose ou pour un. Ben... Pour un but particulier. Ceci, les amis. Et le polo staff d'OTP. J'y ai bossé chez eux pendant un moment. Avec eux pendant un moment. Oui. Je suis un OTP pour la vie. <laughs> Non, je vais rester principalement sur l'OL parce qu'il y a tellement de choses à faire sur l'OL que je ne vois pas pourquoi. Euh, tant que j'ai pas fini l'OL, je passerai pas à autre chose. Et potentiellement que si je fais autre chose, ça sera plutôt de la vulga scientifique parce qu'il y a aussi des choses à faire. Euh, Est-ce que tu peux concevoir qu'en 2024, il y ait des platistes Alors non, on va commencer sur des choses un peu complexes. Là, euh, la Terre est ronde. Point. <laughs> Là-dessus, c'est faci... prouvé depuis 2000 ans, ça. Les Égyptiens l'avaient déjà. <laughs> Euh, par contre, des gens qui croient pas, oui, euh, c'est c'est courant. Euh... Ah, je suis pas loin. Hein. Salut, les arrivages. Je suis un grand mec, Camille. J'ai réussi à hit l'Emerald dans l'agent principalement. Ok, bravo. Tu t'as pas fini ta phrase, mais j'ai l'impression que dès que je perds leur je je peux rien faire en mid game. C'est un macro en early game qui, en... C'est un macro pour récupérer des... des ressources qui doivent poser problème. Tu dois jouer un peu trop agressif ou ne pas respecter les règles de la top lane. C'est ça que tu dois avoir. Euh, tout ça pour dire, je vais vous remettre la scène quand même. Voilà mieux. Et effectivement, Tudal, as, tu, as tu as la bonne solution. Euh... <laughs> Il faut jouer à Nivia pour contrer le réchauffement climatique. <laughs> Euh, est-ce que tu. En fonction de comment tu postes tes TikTok, ça j'ai aucune idée de si sur téléphone ou sur PC. Euh... Monsieur le gouvernement, quand est-ce que Chaco aura un vrai lore À moins que son lore soit invisible, comme son sous son, 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 son... A ah Je peux pas dire. Euh... Il va y avoir une refonte de Rise de toute façon. Oui, Rise va toujours être fondu en effet un euh, rail ça peut être pas mal comment est-ce que j'obtiens toutes les attaques que j'utilise avec des codes principalement est-ce que je serai au KCX invitez-moi <laughs> euh, non je suis pas à Paris donc aller au KCX c'est un peu compliqué et pour le moment j'y vais pas on va euh, on va essayer de de, de de voir pour les prochains gros événements comment j'y vais alors salut les larivas ah, allez vous, vous, vous y êtes. Hein. Salut Lila. Mis à part leur League Game, gestion Wave Roaming, Warding, prise d'objectifs, trois petits points en tant que support que je maîtrise plutôt bien. Oui. Je fais beaucoup d'erreurs qui coûtent souvent mon équipe le Mid late Game. Des conseils, des vidéos pour m'aider. Euh, je pense que tu peux avoir une vidéo sur mon. Alors, désolé, c'est de la promotion, mais de temps en temps, euh, temps, temps j'ai ça. J'ai review hier un master qui euh, justement euh, joue et on regarde comment est-ce qu'il peut avoir de l'impact sur une game où il, est, où il est derrière avec Rakan. Ça peut être très intéressant pour toi. Euh, c'est pour le tiers vidéo, c'est celui qui a 10 euros à l'heure actuelle. Euh, je suis désolé pour ça, euh, mais je crois que c'est le seul endroit où j'ai quelque chose qui traite spécifiquement de ta question. Stylé le pull, soit dit en passant. Ah bah oui, c'est Noki qui l'a fait. Hein. Franchement... Euh... il est bien ce pull merci OTP parce que ça c'est un pull qui n'est pas vendu j'en ai un autre euh... parce qu'en en général quand on mange chez eux on finit par avoir des pulls parce que ça fait partie des choses euh, j'en ai un autre qui est classique mais celui-là je ne suis plus off chez OTP j'ai arrêté l'année dernière <laughs> est-ce que tu as une idée de ce qu'ils ont voulu dire à propos de 2025 qui changera lol à tout jamais euh... <laughs> Je sais pas ce qu'ils ont voulu dire et euh, à moins qu'ils veulent changer, enfin je sais pas, je sais pas. Moi j'ai juste vu comme vous, ils nous annoncent 2025 je change à tout jamais. Il faut une vague de licenciements. la première, ok. Euh, en ce moment les firmes de jeux vidéo ça va pas très très bien. Et Riot c'est une grosse boîte donc que ça licencie une fois de temps en temps. Bon c'est pas non plus la mort. La deuxième on l'a pas vu venir jusqu'après Arkane. Ils, 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 ils ont viré le type qui fait le skin d'ari. à 100 ans Ce mec il vaut des millions. Je... J'ai pas compris. Euh, donc, euh, non, là, je sais pas tout à fait comprendre. T'as une idée comment tu comptes platiner lol les Lariva Challenger ah. Ah. Non Je pense que j'ai pas les doigts pour être Challenger, j'ai pas les réflexes euh, ce genre de choses-là. Par contre, euh, je pense que d'ici quelques années, j'aurais probablement fait beaucoup de contenu éducatif et là, je commencerai peut-être à tourner un peu en rond. Et là, je considère que j'aurais platiné lol. Mais euh, LOL, il y a toujours des choses à faire et toujours des choses à dire. Il y a le récurrent dans LOL et il y a est-ce que moi, à ma value en tant que chaîne, je peux amener plus Après, euh, ça se trouve, on faire des games. Hein. Mais il y a ça, il y a une petite crise du contenu euh, sur LOL au niveau du fun, où là, les créateurs de contenu fun anglais sont un peu... Euh, bon, on fait quoi maintenant Ouais ouais, 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 Non, j'arrive à vous rattraper, j'arrive à vous rattraper, je veux dire. C'est sur qui le prochain super guide Je ne sais pas. Ça, je décide ça un peu à, en fonction de ce qui se passe. Euh, parce que si t'arrives, euh, mettons le super guide, il est dans un mois. Début décembre. La question, c'est. Il y a une question, c'est. En décembre, j'en fais. Je fais quand C'est ce que je fais pendant les vacances Est-ce que je fais Noël Est-ce que. Est-ce que je me débrouille enfin, moi, je vais. Est-ce que euh, ce que je peux potentiellement faire, c'est dire le 31, avant d'aller en soirée, je fais, les, je, fais un, je fais un super guide et, une, et, et un lobby, parce que comme ça, vous avez quelque chose à regarder si vous n'êtes pas dessus. Et, et juste pour lancer la soirée, on fait la fin d'année ensemble. C'est Ça peut être des idées, je fais ça, et on regarde le personnage qui est un peu à la, en vogue. casse santé, tout le monde s'est mis à le jouer, il fallait que j'en parle. C'est pour vous. Euh, comment marche la létalité dans le jeu C'est très simple. Un point de létalité égale un point de pénétration d'armure. Euh, quand tu calcules les dégâts, tu enlèves ta létalité à l'armure des gens. C'est juste qu'ils ont oublié. La létalité, ça a été créé pour avoir une statistique qui se transforme en pénétration d'armure mais qui scale. Et depuis, ils l'ont remis à l'ancienne. pas, Ils ont juste oublié de changer le jeu. Ce qui fait que c'est très bizarre parce que vous avez la résistance magique et l'armure. La pénétration. Magique et la pénétration magique en pourcent, et vous avez la létalité et la pénétration physique en pourcent. Ça, c'est quelque chose qui devrait changer, mais ils le font pas. Tu penses quoi des écarts de draft que nous a montré FlyQuest Je suis très satisfait. Moi je, je suis quelqu'un qui a tendance à dire League of Legends est un jeu qui peut se jouer imparfaitement à tous les niveaux. Jouez votre LOL. FlyQuest, ils ont fait ça. Ensuite, ils l'ont joué bien selon les règles de base de LoL, mais ils sont pas restés dans la méta, la méta, la méta, et de jouer comme les coréens sur un truc sur lequel ils s'entraînent en permanence. Résultat des courses, ils sont passés à ça de la passée, hein euh, Encore une question sur le l'or de Shaco, je l'ai dit, le gouvernement n'a rien à... n'a rien à... n'a rien à dire, n'a rien à... ne fera pas de commentaire sur... Euh, <laughs> sur ce lore. Euh, rôle de support en ranked dans ton côté petrèche. il voudrait savoir ce que vaut le personnage actuellement en Master Plus. Euh, franchement, tu vas voir ce Traiton. Franchement, tu regardes les game de Tréthon, ou sinon sur mon Patreon, j'en ai trois, euh, je crois que j'en ai trois de trèche. Euh, je... Voire même elles sont sur Discord, elles sont gratuites, elles sont juste cachées. Regarde ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce que de temps en temps, j'en laisse des gratuites euh, pour dire euh, Je les ai faites, je les, je les mets pour Discord, c'est un petit bonus pour Discord. Euh, et en Master Plus, c'est très fort hein, trèche. Comment arrêter d'autopilote et de fun game quand on a toujours fonctionné ainsi C'est vraiment un exercice pas évident. Bah, t'as tout compris, c'est un exercice, faut le faire. Faut essayer, apprendre, voir ce qui te, te sort de ta game et euh, voir si League of Legends, tu veux fun game ou tu veux ne pas fun game. Vous voyez, des games, j'y vais en disant attention les gars, vous comptez pas sur l'Elariva qui va vous carry. Par contre, je vais beaucoup rigoler. J'ai joué Yasuo Top une ou deux fois là récemment, alors que je n'avais pas joué Yasuo depuis. Mon skin, c'est Yasuo Projet. À l'époque. <laughs> euh, donc, euh, voilà. J'ai été nul. Mais alors, qu'est-ce que je me suis marré Comment tu expliquerais qu pl... qu'en que fonction des serveurs en diamant plus. Tu expliquerais qu'en fonction des serveurs en diamant plus. Des counters sur certains serveurs, genre la Corée, deviennent de super match-up sur un autre serveur. La population des joueurs. En fait, en Master Plus, tu peux te retrouver avec trois joueurs qui font toutes les stats. Typiquement, tu prends moi sur Malfit. À l'époque où. Enfin, euh, l'année dernière, j'ai fait un run de Malfit où j'ai joué quasiment Malfit. Je suis monté dans le top 10 euh, monde Malfit, un truc comme ça. À ce moment-là, j'avais un impact démesuré sur la, quantité, euh, sur la quantité de games qui sont gagnés par les Malfit. Je pouvais avoir un impact de quelques pourcents sur le euh, bon mauvais match-up. Si tu as des match-ups encore un peu plus euh, présents, tu peux te retrouver à avoir ce que j'ai sur Garen. Garen est censé être un champion qui marche bien contre Atrox. Je joue tous les counters d'Atrox, je n'arrive pas à jouer face à Atrox. Si sur un de ces champions, je suis à très haut niveau et j'ai un pourcentage fort de stats, genre un tiers, un, un cinquième, ce genre de choses-là, si je perds tous mes matchs. J'écrase les stats. Tu es dans la fluctuation euh, statistique des, des gens. Là, tu commences à voir les joueurs derrière, pas juste le pic. Euh... Est-ce que tu t'intéresses aux échecs Non, je n'aime que les réussites. Et si, tu as la... Et si tu as le nom de la réussite Bravo. C'est qui ton coup de cœur chez OTP Celui avec qui tu avais le plus d'affinité Oh, ça, c'est facile. C'est <laughs> <C> russe. <laughs> Franchement, on était deux. On est rentré à deux chez OTP, chez Gaming OTP. Genre, c'est russe. Genre, il y a une raison pour laquelle il est toujours dans le chat et je suis toujours dans les siens. Un retour chez OTP, si tu as une chance. Euh, en fait, c'est pas que j'étais été viré, c'est que j'ai décidé de déménager. Euh, donc j'avais des choses à faire. Ma femme c est... C est des quoi à faire et j'ai décidé de déménager, ce qui fait que je pouvais plus continuer à travailler chez OTP. Parce que je. Bon, je viens de déménager à 400 km de Paris, je vous laisse deviner dans quel sens. Euh, je vous le dirai pas en live. Et clairement, ce n'est pas, pas une histoire de chance. C'est probablement j'arriverai à retravailler si je les appelle. Je leur dis en fait, je suis de nouveau sur Paris, il y a moyen qu'on fasse des trucs ensemble. Mais là, c'est hypothétique de hypothétique de hypothétique. OTP a 10 fois le en changé entre temps. Mais c'est autre chose. Tu as déjà parlé des nouveaux formats LCK et LEC, t'en penses quoi alors qu'on réfléchisse un tout petit peu. Les formats LCK et LC. On va aller sur X, Twitter, 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 Twitter. Désolé l'algorithme, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Ne me banne pas tout de suite. Et je vais essayer de retrouver le tweet avec Shipy Sport, parce que je crois que c'est eux qu'on ça. Alors par contre, le Sheepy Sport en ce moment, ça publie. Euh, tac 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 parce que Alors il y a les formats enfin, Grosso modo j'aime bien Alors déjà on va on va dire une chose qui est absolument incroyable La DA Juste la DA de, du, du LEC. Incroyable. J'adore les couleurs. J'adore le, le match. Chouette, vous allez m'avoir en double. Je, il faudra que je, je gère ça. Allez, on va démarrer le studio pour vous. Et on va aller voir. C'est quoi C'est capture screen. Je vais vous enlever le portrait. Voilà, trop facile. Euh, vous avez ça qui traîne. J'adore la DA, je trouve ça assez sympa. Aussi que... Tu commences par des BO1. Tu n'élimines que les deux dernières équipes parce que moi, je déteste le fait qu'il y ait la moitié des équipes qui soient éliminées tout de suite. Je veux, voir, je veux que les équipes aient du temps de jeu. C'est comme ça qu'elles progressent. Euh, la question qui se pose ensuite, c'est en, en quelle proportion. Et j'aime bien le fait qu'au fur et à mesure que tu avances dans la saison, l'enjeu monte et qu'à la fin, tu finisses par jouer du BO3, du BO3, du BO3. Euh, le format de la LCK. Alors, est-ce qu'il y a l'infographie que je cherche là-dedans euh, tac, 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 tac. Je cherche la LCK. Donc, euh, c'est LCK format. Je vais peut-être l'avoir. Donc, celui-là. Le fait d'avoir un format de LCK Cup ici, qui a un event international en mars, c'est assez intéressant. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, si c'est une Coupe du Monde, machin. Je pas d'infos là-dessus. La LCK a géré les trois splits. Moi, ma véritable question, ma véritable question là-dedans, c'est. Comment est-ce que les joueurs s'entraînent alors qu'ils sont en train en permanence d'avoir des trucs qui sont difficiles à jouer L'avantage d'avoir des sessions un peu longues avec des BO3, c'est de s'entraîner. D'avoir assez peu de matchs et beaucoup d'entraînement, c'est de s'entraîner. Je... Quand je regarde les scrims que je fais quand moi je fais en équipe, je m'aperçois qu'il y a ma solo queue, donc ça va progresser, progresser, progresser. Et ensuite, j'ai besoin de temps en game et d'un grand nombre de games en scrim pour juste croiser les schémas de jeu dont on parle. Parce que. Quand vous regardez une game et que vous la débriefez après, c'est bien gentil, mais en fait, vous n'allez pas nécessairement croiser chez jeu. C'est pour ça que quand tu coaches, en fait je dis, t'es parti pour 6 mois, parce que si on fait pas au moins 6 reviews et que tu me poses pas 6 fois des questions sur, en ayant travaillé, on n'a aucune chance de, de progresser, parce que je peux pas, te, je peux te montrer les points qui pêchent, mais si tu sais pas travailler sur les 10 points que je vais te montrer, ça va être un peu compliqué. Pareil en équipe. Et là, avec un format à 3 splits, alors la LCK a réussi à esquiver les deux, c'est plutôt smart. Euh, vous allez avoir des, des joueurs qui vont avoir des grosses pauses au milieu, vous allez avoir des dynamiques qui sont un peu bizarres. Je ne suis pas spécialement contre le fait d'avoir trois, trois events inter et de finir à mi-novembre les Worlds. Euh, mais moi qui, qui crée du contenu pour euh, la LFL, qui crée du contenu euh, qui aime bien entre guillemets le côté pro, là je vois un tunnel. Là, genre, wow, en termes de boulot c'est... solide Très solide euh, Est-ce que tu es myope Non je te vois très bien. J'ai autre chose. J'ai l'œil pas rond. C'est pas la myopie. Leak Super Guide en soon. Oui, probablement au mois prochain. Mais ça, ça, ça me paraît être quelque chose qui n'est pas, euh, qui est pas euh, bizarre. Euh, pour avis, euh, le Super Guide il sera publié dans les semaines à venir. L'arme du nouvel an, allez, avec les, arrivera, c'est acté, tu l'as dit, c'est condamné, c'est fini. Non, je, je, je vais traquer au nouvel an. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Euh, replay du stream est gratuit. Il est marié, mon monde s'effondre. Non, je ne suis pas marié. J'ai une chérie. Et moi je dis Twitter X, je l'ai vraiment dit une fois. Quand est-ce que la Chaco aura un vrai lore? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Une anecdote qui n'a rien à voir, je te trouve très posé et calme, ça me motive à continuer à travailler sur mon cycle de, euh, sur mon cycle de vie de ma machine à laver. Vive le PVC, et le PMMA. Et bah ben, très content de t'aider à bosser, parce que là, celle-là, je l'avais pas vu venir. Euh, le lien du Discord, ah oui, c'est l'ancien. Euh, oui, oui, non, je. Alors, Lubélion, toi, trois doigts, je pense. Trois. Euh, le truc, c'est pour toi, tu fermes la main gauche. C'est un peu bizarre, quoi. Est-ce que tu fais du TFT ou que du League of Legends euh, Alors, j'ai fait un peu de TFT. Il faut savoir que j'ai commenté les mondiaux de TFT, les premiers, euh, en compagnie de I'm So Fresh et de Shones, à l'époque. Euh, C'était chez O Gaming. Euh, C'était très sympa. Et j'étais excessivement nul. Euh, « Comment tu expliques-tu que Calice soit aussi fort ?» La muscu. Je pense que c'est la muscu qui fait la différence. Euh, de l'instinct de Jouf, il y a des... Parmi les génies, euh, moi, dans ma vie, j'ai eu l'occasion en prépa de croiser celui qui fera numéro un euh, au concours dans ma section. De la France. Il réfléchissait plus vite, plus fort que moi le temps et il a pris de l'avance en dix ans avant et quand il est arrivé dans les concours bah il m'a éclaté euh, je le sais es juste à côté de moi au concours <rire> <rire> bonjour monsieur le polytechnicien <laughs> et euh, il faut savoir qu'il a aussi pulvérisé tous les records de l'école dans laquelle j'étais à ce moment là j'ai croisé des gens qui sont gifted il y a des gens qui ont le cerveau ont eu l'occasion n'ont euh, pas les défauts qu'il faut, et ça tape que dans leur qualité, pas dans leurs défauts. Caliste est probablement à cet endroit-là. La question, c'est, est-ce qu'il va réussir à transformer Caliste, tu es jeune, tu viens de rentrer en LEC, bon courage. Là, il y a les loups, il y a tout le monde. On va chercher à tirer le meilleur de toi. Si tu réussis à progresser, tu vas être au firmament de League of Legends. C'est ça que je vois. Il est gifted, l'ami Kaliste. Maintenant, à lui d'en faire quelque chose. Sans travail, le talent n'est rien qu'une sale manie. C'est un dicton qu'on m'avait donné dans la famille. Euh, bien entendu, je vais retravailler les VOD, les VOD pour YouTube. Et 18h50, on n'était pas rentré dans le dur du lobby. Du lobby. Eh, hey, hey, j'avais dit le message de retard, j'en ai désormais 4, J'avance, j'avance. <laughs> Et euh, Techpa, qu'est-ce que tu penses euh, de ce format lobby en live Moi, j'aime bien. Hein. Moi, personnellement, euh, bah, vous allez dire, quand il y avait Horus qui liveait, il liveait des lobbies. Euh, Nox, il liveait des réacts et des lobbies. Là, je réacte à du gameplay, je fais du lobby. Hein. C'est la même chose. Euh, quand on, les, les espaces de questions, c'est pour ça qu'on aime les lives et c'est pour ça que je mets les deux. Euh, et qu'on regarde. Euh, Est-ce que Caliste n'arrive pas déjà à, en LEC avec trop de pression sur les épaules J'en ai aucune idée. Ça, ça va dépendre de lui. Je ne l'ai pas côtoyé, Caliste, hormis dans les games. Hein. En LFL, il y avait Caliste dans mes games, désolé, il y avait aussi Adam, c'était bien, <laughs> franchement, tu me dis, Adam, oh je vais regarder du Adam ce soir, ça va être bien. Et Adam à l'époque où je jouais Darius en LFL, c'était plus que cool. <laughs> euh... Donc on peut spammer les questions ici, non je vais passer au suivant, tu vas voir, tu le vois live plus souvent, on va essayer... Et il faut le temps, en fait, le chat, euh, il faut le temps. Euh, Est-ce que d'autres vidéos similaires à celles sur les inhibiteurs sont prévues Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, euh, onze, douze. J'en ai 12 dont j'ai au minimum le titre. Est-ce que je veux dire Est-ce que ça répond à ta question euh, J'ai pas eu le temps de les tourner parce que là, je suis très occupé, enfin, très occupé à créer ce live. Euh, enfin, réussir à brancher YouTube et Twitch en même temps, ça a l'air d'être rien, mais vous avez les questions de tout le monde. Et là, ici, là-haut, il y a égalité entre les deux plateformes. Et accessoirement, euh, d'intégrer le, le fait que quand j'ai partagé le... Euh, la, ma dernière update de chaîne, donc c'est ça, il y a deux jours, en 24 heures, j'ai rempli mes coaching et mes reviews et il faut que je m'occupe de ces gens-là. C'est censé être une fois par mois, mais quand ils arrivent par paquet de 20, bon, un peu compliqué. Euh, en tant que 7 contre Emerding, cette marque de build breaker pour match son push. Euh, non Tu veux build la MR contre Emmerdinger. Et ensuite, quand il part, tu veux push. Euh, psycho, tu avais posé une question en commentaire, elle va arriver, c'est juste que pour le moment je fais, les... je fais une première vague de questions tout seul et ensuite on va sortir le lobby, j'en ai 50. <laughs> T'as vu la vidéo de MGG avec les joueurs des World qui résistent aux joueurs français avec de Faker à la fin Non. Ça, je l'ai pas vu. Ah, d'où être sympa. Euh, surtout que MGG, je bosse avec une fois de temps en temps, une fois de temps, en temps. du moins je les croise, euh, les gens qui bossent là-bas, c'est cool. Est-ce que tu connais tout Camp Céleste Euh... Alors, il me semble qu'il a eu des problèmes sur. Euh... Il, il me semble qu'il a eu des problèmes à un moment donné, tout quand mais en tout cas, si tu regardes une chaîne un peu méconnue, euh... alors, une chaîne un peu méconnue, euh, avec une vidéo qui fait très, très, très. qui, qui a fait 400 vues qui s'appelle e Sport de Castenplay qui était un mes premiers Twitch et ben bah, je, je l'ai interviewé en Euh oui je le connais du coup parce que j'ai eu l'occasion de bosser euh, enfin j'ai eu l'occasion au moins de faire un live avec lui euh, c'était à l'époque où il était chez UOL euh, il a disparu il a décidé d'arrêter je crois et je crois qu'il a eu un petit drama à la fin aussi j'ai plus les détails mais il me semble qu'il y avait ça en euh, que j'ai ça en tête euh, pourquoi les ADC sont-ils si mauvais en macro euh, Parce que euh, les supports, les int et ils rigolent pas. Quand n'es pas très très bon, les supports vont avoir tendance à démolir les wave states ou à pas savoir faire freeze ou autre. J'aimerais... Moi personnellement si tu joues avec un duo, je veux pas En coaching, si je vois un ADC qui joue avec un duo, je ne veux pas le voir seul, je veux le voir avec son support. Ils doivent comprendre tous les deux en même temps la même chose. Et là, il y a des soucis. Mais les ADC ne sont pas si mauvais en macro. Fun fact, je ne te vois pas Discord, je suis. Il y a plus de 60 questions notées et c'est bien les lobbies en live. <laughs> moi, j'en ai mis 55 au oh, moins. Combien de Lella Clone tu aurais besoin de faire toutes les vidéos, les lives, les coachings et les reviews chaque, chaque semaine euh, Là, on en est au point où je n'ai pas besoin de Lella Clone, mais d'analystes et de gens qui maîtrisent Photoshop, ce genre de choses-là, pour m'enlever le, le reste, de manière à ce que je puisse me concentrer purement et simplement pour faire la vidéos, et je suffis à ce moment-là. Là, je suis dans un rythme où c'est un peu élevé, mais ça va. Euh, comment counter et merdinger en lane C'est infâme. Shoga. Shoga. Tu vas voir, c'est fun. Dans une ère où tous les créateurs de contenu ont des dramas, tu choisirais un drama dans quel domaine Pas de fuite possible. Ça dépend, les dramas coréens, les dramas chinois, euh, les dramas japonais. Qu'est-ce que tu aimes comme, comme type de drama Plutôt euh, des dramas histoire d'amour ou euh, des dramas où il euh, y a un mec à 2700 ans qui, trouve une, euh, qui, qui tombe amoureux de son âme-sœur qui est une jeune femme de 18 euh, C'est quoi le type de drama qui t'intéresse Non, mais dis-moi, parce que j'en je, connais. Euh, si tu veux, on peut jouer dans Goblin, euh, un drama de si je me connais bien qui est, qui est relativement bon je vais me faire tuer par la personne qui m'a montré Goblin euh, je... euh, ce genre de choses là euh, moi les dramas que j'ai je euh... <laughs> les c'est très 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 fort non euh, les dramas que je vais avoir euh, que je, je sais que j'ai déjà euh, moi j'ai eu un drama de leak malheureusement sur une interview que j'avais faite où en fait j'ai leak la LPL en france un peu tôt Quelques heures près, mais du coup, on a dû expurger ça euh, et j'étais responsable d'un leak, la LPL en France. Euh, je vais avoir des dramas sur mes tier lists ou autres parce que je suis très icono. Enfin, je. Ma tier list n'est pas mon avis, contrairement à la plupart des tier lists, donc en fait, je ne vais pas avoir de drama là-dessus, mais moi, ma tier list, c'est une photographie que je prends selon des statistiques. Ça a ses propres défauts, mais en tant que tel. C'est un avis qui est, relat... est aussi peu biaisé que possible, aussi neutre que possible. Ensuite, j'essaye d'expliquer la hiérarchie et autres, et là, je mets mon avis. Et là, je sais qu'il y a déjà des gens que ça peut heurter, et je peux avoir des dramas avec des gens qui, qui vont y aller peut-être un peu fort euh, là-dedans. Je pense que je vais avoir ce genre de drama, et ça, pour moi, ce sont des bons dramas. Euh, pas le leak, mais les dramas où on parle de... du contenu que je fais. Et je serais très content d'avoir ce genre de drama. Euh, tout ce qui est les dramas à peu près classiques, euh, je ne vais pas les fuir. Il n'y en aura pas. Euh... Juste, euh, je vais pas me parfacer pour quelqu'un que je ne suis pas, euh, je... je vais pas y... Juste, moi je, je comprends pas pourquoi il y a autant de drama, j'y arrive pas. Les supports peuvent aussi se faire une par leur ADC, hein. Moi et Gris, non. Oui, tu as raison. C'est parce que vous êtes deux. Mais du coup, à deux, en moyenne, euh, le fait que les deux soient bons, c'est rare. Parce que si 50% du temps, l'ADC est bon, 50% du temps, le support est bon, 75% du temps, il y a la lane qui est mauvaise. C'est des stats de base. Donc du coup, il n'y a qu'une lane sur quatre qui passe en ayant euh, qu'une chance sur deux euh, sur chaque. Donc imagine, quand tu montes le, il faudrait monter le, le pourcentage de connaissances bien plus élevé pour que deux, ça soit rarissime que aies des lanes qui soient pas dedans. Ah bah, si justement, tu disais, okay, dans, dans les dramas que je peux avoir, bah les fuites, <laughs> ça j'en ai fait. J'étais vraiment dodge plus d'une fois. Hein. Euh, tsunami Pourquoi chaque fois les midliners en platine AFK sous les tours jusqu'à 1.30 Parce que normalement c'est la place du jungler ça Tout le monde AFK sous sa Et au mid c'est plus facile parce que ta position de cover classique en solo queue elle est quoi 200 pixels plus loin C'est pas c'est pas grand tu penses quoi, JVC Est-ce que tu arrives à fréquenter ce site Perso, c'est ma drogue. Je ne fréquente pas ça, donc je... pas d'avis. Euh, tu l'as peut-être déjà dit, mais les stats des tier viennent de quel elo Je le répète à chaque vidéo top 15% des joueurs ou bronze only. Combien a bossé sur la chaîne ah euh, Full time, moi. J'ai une monteuse. Euh, J'ai les admins ici présents que je remercie énormément, qui sont super forts, euh, qui me donnent des coups de main quand ils ont besoin. Euh, je ne sais pas à quel temps ça, ça leur prend, mais ils sont là, ils sont trois, et c'est des admins de haute qualité, parce que bon, quand on prend les CV, euh, ça admin des LAN et des forums que vous connaissez très bien, euh, et, et ils m'aident euh, juste euh, parce qu'ils m'aident. Et il euh, y a une ou deux autres personnes qui m'aident ici, notamment la personne qui va se flinguer à faire les timecodes pour la vidéo. Je suis absolument désolé, euh, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, jean Cameralloc, lock, c'est possible. Et pourquoi pas hello Alors, ça, c'est les gens qui sont pas ranked, je pense. Euh, aider en, euh, ça aide encore le jungle à faire séquence. Parce qu'on est encore en train de progresser là-dessus. Et que gr grosso modo, quand je regarde un jungle qui est à bas je pense, donc on va dire euh, Silver et moi, bas hello, ba la moitié d'en dessous. Il y a 50% de joueurs entre Silver et Iron. Euh, c'est ça que je fais. Euh, les junglers sont pas encore assez affûtés sur leur clear pour euh, clear en un temps correct sans poule. Et vous n'êtes pas capable en bot lane, franchement, d'exploiter le fait d'arriver le premier sur la lane. C'est pas ça qui est dominant dans votre résultat. Est-ce que tu laisses la rediff Je vais laisser la rediff pour un petit moment, je pense, jusqu'à ce que les vidéos sortent. Euh, les vidéos de rework, tu le fais uniquement avec ton avis, ou tu demandes à d'autres gens. Je le fais avec mon avis en me renseignant à mort. Les vidéos de rework, j'écoute Riot. Hein, grosso modo, à chaque fois que Riot Freaks ou qu'il y a un tweet qui sort, dites-vous que je l'ai lu. Tout seul en anglais. Et qu'en plus, j'ai mon avis et que euh, du fait que j'ai des années à surveiller ça, je commence à avoir un avis qui est plutôt pas mauvais parce que j'ai le background. À force de vivre dans les sites, ce genre de choses. <laughs> joli Yolnex, Joli Dodge. Joli Dodge. Pourquoi avoir choisi de parler d'émeraude plus plutôt que le diamant plus Parce que j'en ai rien à... Voilà, de la méta émeraude. Vous n'êtes pas assez nombreux en diamant plus. Diamant plus, c'est de 3 à 5% des joueurs. Tu n'as pas assez de statistiques. En général, euh, l'émeraude, comme tu vas chercher 10 à 15% des joueurs au total, tu as suffisamment de statistiques. Et soyons très clairs, la méta du diamant plus, c'est la méta de l'émeraude. La méta a changé en master. Donc le diamant plus, c'est une fausse métrique. <laughs> Vu comme tu aimes dodge mes questions, tu devrais aimer les dash comme Akali. Non, c'est juste que j'ai tellement l'habitude de jouer Garen que je sais sidestep. <laughs> Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'un nazus n'a aucun counter Faux, Nasus a des counters. On va essayer de jouer Nasus face à Timo avec la stratégie de Timo que je t'ai montré. Vas-y, essaye. <laughs> tu vas à rien faire. Euh, surtout si tu scales rapidement ton A. Bientôt, guide sur Nocturne. Alors, j'ai un vieux guide sur Nocturne, déjà. Euh, et non. Non. Les guides, pour le moment, c'est pas là. Ça fait combien de l'année que tu es sur LOL Je sais plus si tu es là depuis le début ou pas. Très simple. Je n'ai pas acheté LOL à sa sortie et donc je n'ai pas Kale d'argent et c'est le skin qui me tue le plus parce que je l'aimais bien. Ah Bref! Euh, Kale a son rework, a perdu son meilleur skill qui était Kale Odez J'ai la haine! Euh, mais j'ai commencé en saison 1 avec Corki Mid, euh, premier skill en Z. Et la première game ever que j'ai faite, c'est Ryze on m'a dit tu prends Ryze, tu vas voir, ça fait d'air bon quand tu lances les sorts tu vas mid. <rire> Surprenant. <laughs> euh, j'ai l'impression que le support curacy quasiment toujours plus fort. J'en le support. Oui, oui je suis d'accord. Le curassie quand tu le passes c'est toujours plus fort. Acheter LOL, oui vous saviez pas vous pouvez acheter LOL. Oui? Non 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 mais sérieusement LOL ça s'achetait. Euh... Euh, Silver Kale box. Euh, tac tac tac. Alors, il faut que je regarde sur eBay ce genre de choses. Là, il faut que je regarde un vieux truc. Et Silver Kale, il me semble que c'est un skin que tu. Non, 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 parce que je crois que vous n'avez pas compris à quel point. Euh... Je crois que je, 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 je vous ne l'avez pas. Genre. Je vais vous présenter un truc. Vous savez pas que ça existait. Le CD de League of Legends. Collector pack par les créateurs originaux de Dota, le premier Defense of the Oceans All-Stars, c'est la version 2 hein, entre guillemets. Avec un manuel de jeu qui t'explique comment gagner. Le premier skin d'Annie, le Rise original. Il y avait des skins dedans, c'était de la folie dans les skins les plus rares du jeu, il y a quel d'argent parce que il faut avoir le CD de LOL pour l'avoir. Le CD Je suis même pas sûr que tu puisses lancer le jeu à l'heure actuelle avec ça. Genre, ça vaut un. Non, j'ai pas taffé dans le comic. J'ai fait caster, c'est la même chose. Euh, des chaînes de vulga scientifiques à conseiller. En fait, non, je la garde en anglais principalement. Donc, je n'ai pas les chaînes de vulga scientifique françaises. Je suis désolé. Et j'ai tendance à vulgariser euh, plutôt l'ingénierie. Et je la vulgarise peu. On me la présente. J'ai fait des études là-dedans. En fait, c'est terrible, mais au niveau où je suis, je ne regarde pas la vulga. Je comprends les trucs. Euh, moi, quand on m'explique... Vous savez, le sous-marin qui a explosé au fond du... Enfin, euh, c'est Titan... Euh, voilà, le, le Ocean Gate, Ce sous-marin-là, Quand on, il a été voir le Titanic et il il, explose, il a implosé. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est que la différence entre une implosion et une explosion, parce que ça fait boum dans les deux cas. Et euh, moi, quand on m'expliquait ça, je disais « Ouais, je comprends, ça va, j'ai pas besoin qu'on me... Vulga... » Enfin, c'est juste, tu me mets la, la science qu'il y a derrière euh, et, et j'y arrive. Et donc, du coup, j'ai aucune idée de ce qu'il y a... Comme chaîne de vulga, je suis désolé. Et oui, il y a vraiment des gens qui ont acheté LoL. Mais après, il y a bien des gens qui ont acheté LoL 500 euros pour jouer à Harry, euh, hein. C'est la même chose. Et à l'époque, c'était Riot Games. Bah, Ipados euh, Ah oui, justement, tu reviens sur le rework. Ipados, tu m'as donné ton avis en commentaire. Euh, le, ce qui s'est passé, euh, c'est que moi, je, euh, je me renseigne sur ce que dit Riot et je tourne la vidéo avant qu'on ait les games. A partir de ce moment-là, je peux et, et je ne pr euh, prédirai jamais ce qui se passe sur un champion ou ses builds. D'ailleurs, je ne le fais pas. Je vous explique ce que Riot cherche à faire et les problèmes que Riot a donnés. C'est ça qui se passe dans les vidéos. Euh, je ne vais pas plus loin. Faut pas me prêter le fait de prédire le futur, je ne cherche pas à le faire. Je regarde le passé, et je cherche à l'expliquer. Je suis scientifique, pas divin. De vin, pardon. <laughs> J'étais là avant la naissance de Silver J'étais là à la naissance de Silver J'ai pas la collector pack, mais j'ai Tech Pack. Oh, c'est si beau. Euh... Un ou deux créateurs de contenu que tu recommanderais peu importe la langue. Oui. Jamy Gournaud. Et Fred de ici. Ils sont trop forts. Neutron ou Proton Neutrino Tu as acheté Ion. Ah ouais quand même. Délicat et. Plutôt pas mal. Alors moi c'était techniquement, c'était anti-neutrino électronique. Euh, Allez taper ça sur Internet et bon courage ensuite. Tu penses quoi de la chaîne française qui fait du contenu similaire au tien Ah bah là je peux répondre. Je suis venu parce que je trouvais pas du contenu similaire au mien. Je fais ces vidéos là pour ça. Donc mon avis sur la scène, c'est, je, 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 je. s'il y a des gens qui font comme moi, présentez les-moi, je veux les rencontrer. Il faut... Spécifiquement, ce que je fais, je ne sais pas si c'est fait, je, je ne l'ai pas trouvé, j'y suis allé. Peut-être qu'ils s'y sont mis, J'ai pas suivi depuis, parce que quand tu passes 70 heures par semaine, je l'ai pas vu. Mais euh, c'est ce genre de choses-là. Et là, il n'y a pas de chaco à avoir, euh, c'est juste ma mission, c'est de faire les choses que je trouvais pas. Non, tu es présentateur météo de la faille de l'invocateur et il arrive à. Ah, du coup, j'ai un avis sur ces gens-là, parce que Tréton l'a fait. Euh, et c'était super. C'était chez OTP. Non, la vulga c'est génial, même après une thèse sur les neutrinos. La vulga c'est toujours génial, c'est juste que j'ai tendance à moins la regarder. Parce que je peux, je, peux, je peux prendre les chaînes de pas vulga. Ou je peux lire les bouquins de pas vulga. Euh, je sais qu'il y a des skins qu'on peut considérer comme donnant un avantage injuste, que tu as des exemples en tête. Euh... Et ensuite je prends la question d'Alcora et j'arrête. Et on passe. Au lieu, euh, aux questions que j'ai. Euh, oui, il y a des skins donnant un avantage au jeu. Typiquement, il y a une raison pour laquelle j'ai Garen du Roi, c'est que son auto est plus simple. Euh, vous avez, euh, je crois que il y a des skins qui sont interdits en compétition. En général, c'est pour ce genre de bêtises. Sur Oriana, un skin de base sympa, mais de ce que j'ai cru comprendre, il y a le pool party qui est mieux. Vous avez euh, les skin... le skin pool party de Yone qui a l'air d'être pété aussi. Il y a les skins qui sont plus... Moins visible typiquement. Moi, quand je joue sur la faille de l'invocateur, vous avez des skins qui sont plutôt verts. Et quand je joue euh, en arabe, euh, tous mes skins sont bleus parce que ça baisse le contraste. Euh, Blitzcrank est connu pour avoir des soucis là-dessus. Ça a été fixe. Il y avait euh, Lux Légion d'acier. <laughs> ah Qui <papa. rire> pas. Euh, Lux Lé... les. Vous voyez les problèmes d'orthophonie, moi. Lux Légion d'acier. <laughs> Et le H n'est pas apparu ce coup-ci. Euh, qui euh, avait euh, beaucoup de problèmes avec des sorts qui étaient très peu visibles et qui n'étaient pas clairs. Et. Euh, non, Garenne du Roi, c'est surtout de son auto. Il a une auto qui est bien plus fluide. <laughs> Lésion d'aqua. Et euh, pour Fantôme, bah, on va voir au niveau des questions. Euh, je vais regarder ça. Euh, déjà, je vais me passer en mode studio pour regarder si pour être tout à fait franc j'ai un petit souci sur la taille des questions pour être là ok vous êtes prêt euh, je crois j'avais dit tequila c'était la dernière alquila ton axe de travail et surtout de la solo queue tu penses faire du contenu sur du gameplay en team les préparations de matchs compétitifs dans un futur plus ou moins proche personnellement je pense euh, que, et il y a des amis qui vont me reconnaître qu'il y a des coachs en en LFL, euh, qui euh, sont bons à faire des vidéos, sont bons à présenter et pourraient faire. Je pourrais littéralement prendre la manière dont je le fais, un hein, bloc-note, des dessins et de la carte et faire du très bon contenu. Donc, je vais attendre un peu. si Quand j'ai fini le bout du jeu de mon équipe, je passe au jeu en équipe. Peut-être que je fais des, des vidéos. Si. Et, et, et là, je dis rien. Hein, euh, si. Vous, en coaching, vous ne voulez pas le faire en solo, mais vous voulez le faire en équipe. On peut discuter à ce que je passe avec. Peut-être qu'à ce moment-là, je sortirai euh, avec vos replays, euh, si vous voulez, je sortirai des, des réponses sur l'équipe. Si vous voulez le jeu d'équipe, déjà, vous regardez toutes les vieilles vidéos de Duke, toutes les vieilles vidéos de Zaboutine. Et là, vous allez comprendre des choses. Les vieilles. Euh, parce qu'il y a un moment où, ils, au début, ils faisaient beaucoup de team, 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 review, 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 et ils étaient, au moment où ils étaient coach, ils sont au sommet de leur art, et ils expliquent aussi très bien. Ensuite, ils ont... Alors, je crois, que Zaboutine, il est passé à faire plutôt du suivi e-sport, euh, façon journaliste, c'est incroyable à regarder euh, là-dessus, et Duke, je crois qu'il l'a pas continué. Mais c'est ça que ça peut être intéressant. Euh... Et c'est ça, le corps, hein J'ai pas zappé ta question. J'ai tout. Vous l'avez C'est parti pour la... les questions du lobby. Changement de couleur. On passe dans la zone rouge. Nightwolf, hello Riva Lelariva, Lariva, comment tu arrives Et alors là, vous allez voir, vous avez toutes les blagues sur les Lariva parce que sur YouTube et sur Discord, ils n'ont aucune pitié pour mon pseudo. Euh, Poppy est une bonne utilisatrice de la brillance et j'ai envie de faire une tier list des objets brillants sur elle. Quels sont donc les critères d'un bon objet brillant et d'un bon utilisateur de brillance euh, On pose des questions, toi le problème, c'est que les questions non spontanées sont parfois pas les plus évidentes. Alors, déjà, on va aller sur mon site préféré quand il s'agit de TheoryCraft. Et on va essayer d'être un peu plus malin que la moyenne. Oh là là, c'est si beau cet écran. Voilà, parfait. Et trois questions en un, je vais réduire un peu le chat. Vous aurez plus de questions. Voilà. Ça ressemble à rien, mais au moins, c'est lisible. On prend Poppy. Euh, ce site, euh, il s'appelle pic.cibo.df pour ceux que ça intéresse. Euh, C'est un site qui est codé par un gars euh, tout seul et qui est franchement sympa. Parce que ça permet de faire des builds, de les enregistrer en local, ce genre de choses-là. Bon, alors Poppy, euh, on va donc prendre le, la classique. Je t'éclate la tête en roman. Bonjour, en fait, j'ai une démolition et ça. Je te mets ça dans la, dans la tête. Flash Ignite. Ok. Pour les items. Ce qui va nous intéresser. Alors, je vais voir si je peux pas grossir un peu. Voilà. Euh, D'ailleurs, viens là toi. Ah, oh, il a tout recodé. Je l'avais, euh, modifié de manière à ce qu'il n'y ait plus ça, ça soit plus facile. Les items brillance. Déjà, euh, un bon utilisateur de brillance doit utiliser la brillance seule. Tu prends une brillance, t'es fort. Donc c'est pour ça que les champions qui ont souvent des sorts qui arrivent rapidement sont assez sympathiques. Pour les items brillance supplémentaires, euh, ce que tu vas devoir gérer. Et là, il faut que je les trouve. Alors, il y a celui-là, là. Il y a celui-là, là. Il y a la Trinité. Et il me semble qu'il en manque un dans le chat. Dites-le-moi. Ce qui me semble qu'il en manque un. Non, non. Il y avait les River, mais qui n'en est plus. T as, t as ces trois items. En fait, un bon utilisateur de brillance, il est au minimum euh, capable. D'avoir un reset d'auto facile pour Proxabriance sa brillance et une facilité à la mettre. C'est une raison pour laquelle Garen fonctionne, parce qu'en appuyant sur son A, son A doit mettre une auto. Trinité, Garen, ça marche. Poppy, par définition, elle, ce qui est terrible, c'est qu'elle proc sa brillance sur une attaque range. Et ça, c'est délirant en termes d'efficacité. C'est véritablement très fort. J'ai un de mes écrans qui est en train de mourir, là c'est absolument terrible. Vous allez avoir ça à gérer. La Trinité, c'est plutôt quelque chose qui va te donner une brillance, mais aussi des stats un peu génériques. Donc c'est pour ça que c'est l'item probablement le moins fait, sauf si tu as un item devant, une lame du roi déchu, un item d'attaque speed pour profiter de l'AD et de l'attaque speed de la Trinité. Un utilisateur de c'est principalement un personnage qui va avoir un reset d'auto ou qui va juste mettre une auto une power. C'est pour ça que Illaoi veut tanker et maintenir les gens, c'est l'Iceborne. Euh, santé, c'est ce genre de choses-là. Poppy, fondamentalement, est bonne avec les deux items brillants à deck. Et les AP, c'est ensuite, j'ai un sort et j'ai une auto, c'est est-ce que je split ou est-ce que je passe mes dégâts à travers, et je dis bien, à travers une auto. Tu vas voir, la plupart des champions qui mettent des, des autos vont avoir ce genre de choses-là. Les Nidas, ça. Euh, les échos, parce qu'ils vont passer énormément de dégâts dans leur auto et ils peuvent en rajouter. Sinon, c'est un item qui n'est pas très utile. Et c'est véritablement la, la différence que tu peux avoir et ce qui peut créer euh, les, les, les cas d'utilisation. Pour euh, la sur Poppy et 3 items brillance, ça va aller assez vite. Question suivante du coup, euh, de la part de Nila Riva. Bonjour Nila Riva, j'ai une question concernant les classés. J'aimerais bien l'ancien système où c'était l'ordre de draft qui déterminait où tu jouais car tu étais obligé de savoir jouer toutes les lanes. Je me doute cependant que ce système reviendra. Je doute cependant euh, que ce système reviendra. Il a mis le et il n'aurait pas dû. Mais à un moment Riot voulait faire un ranking par rôle et j'ai trouvé cette idée très intéressante. Mais malheureusement j'ai une bonne idée. Qu'est-ce que tu penses Ce ne serait pas pertinent de faire comme ça. 40 peut très bien être Master en support, mais Silver au mid. Donc, un halo ne reflète pas notre vrai niveau sur LoL. Ah, qu'est-ce que le niveau sur LoL euh, Le niveau sur LoL, c'est surtout une rencontre. Une rencontre assez présente entre des gens qui sont mis sur un matchmaking qui est censé les mettre en face. Des gens qui sont censés avoir un niveau et. Et, et vivre leur game d'une certaine manière, être parfaitement capable euh, de jouer le champion qui sont en train de first time en ranked parce que ça c'est vachement cool en support faut jouer full ap parce que j'ai vu un TikTok chinois où c'était joué comme ça et ça marchait si items. S'il y a beaucoup de choses dans ta question, les systèmes de matchmaking, le fait de pouvoir jouer son rôle c'est plus intéressant parce que ça permet de monter globalement le niveau des, des gens. Diminuer la quantité de fils, c'est important euh, pour euh, pour League of Legends, parce qu'effectivement, comme tu dis, si tu as un mythe qui support, en général, il n'est pas très bon. Euh, et pour Riot, le but du jeu n'est pas de dire tu vas toujours avoir ton poste, tout le monde va être toujours avoir son poste, ça veut dire les parties sont équilibrées. Il y a autant de fils d'un côté ou de l'autre, et ce qui va déterminer, c'est est-ce que les gens ont décidé pour jouer leur game de la jouer sérieusement, de la jouer fun C'est un vrai choix qu'ils ont à faire. Question suivante de. Oups, euh... On est passé de, 10, de 1 à 10. Ah, je vois, c'est ça le problème. C'est pas grave pour les numéros, ça sera un peu euh, ça sera un peu mis. Will oui, gamma. ne trouve pas que Riley, et Zonia offrent trop de tankiness pour l'objectif des objets. Euh, et ensuite, c'est principalement euh, je joue trash et il y a un Swain qui avait beaucoup de points de vie et d'armure, et du coup, j'ai du mal à, à le gérer. Riley, Liandry, Zonia n'offrent pas trop de tankiness dans le jeu, c'est juste que euh, c'est un combo d'items qui s'y passe devant et est extrêmement frustrant à jouer. C'est ça qui se passe. Euh, parce que euh, ce que tu vas avoir avec ce genre d'item... Ce qui est assez simple, mon hein, cher euh, c'est que si jamais il est devant, il va sustain sur toi tout en te faisant des dégâts et tu rentres dans le, le passage où tu le tues pas, il te fait des dégâts et en fait il gagne à la fin quoi qu'il arrive. Et c'est juste frustrant à jouer plutôt que se faire one shot. Et donc on rentre dans le. Euh, les off-tanks nous. Les, les, les off-tanks avec des points de vie et de la paix euh, nous tuent. voilà là là, au secours. Et si t'enlèves ça, c'est OMG, Riven me one-shot. On est toujours là-dedans dans League of Legends. C'est soit l'un, soit l'autre. À l'heure actuelle, on est plutôt sur les tanks. Euh, parce qu'ils ont décidé de baisser la quantité de dégâts qu'il y avait dans le jeu. Mais ça bougera. Question numéro 12 euh, de Nike, qui n'est pas la numéro 12 ici. El Riva, comment tu arrives Encore Il l'a posé deux fois, lui Penses-tu que si Anivia recevait une ASU, euh, donc euh, c'est une, euh, une amélioration de qualité visuelle, en gros. Euh, comme Timo, son piquerette augmenterait. Oui. Oui, je suis sûr et certain. Anivia, c'est un vieux champion qui est pas beau. Enfin. Il est trop vieux. Et Timo, on a bien vu que. Ouais, c'est joli, l'auto elle est bien, et c'est effectivement plus agréable à jouer. Irelia Riva, si tu pouvais vous ajouter une rune dans le jeu, elle serait comment C'est quoi la rune que je voulais ajouter le jour euh... Dans le chat, c'est quoi la rune que vous voudriez ajouter dans le jeu euh... Parce que, en fait, moi j'aimerais bien ajouter une rune qui joue avec les pinks. Supprimer Akali. Klepto, klepto, klepto. Vous voyez, la klepto elle est pas mal. Euh... Mais probablement, ça serait sur le jeu de vision. Euh, probablement parce que j'aime bien Balise Zombie, j'aime bien Poro fantôme, ce genre de choses là. Euh, Peut-être que euh, avoir une rune où t'as un poro qui te permet de faire chèque, genre t'as un poro qui t'accompagne et tu peux une fois de temps en temps lui dire va pas loin de chez toi, et il reste pas longtemps. Ça peut être une rune qui te permet d'avoir beaucoup de vision, ce genre de choses là. Euh, ça peut être assez sympa et ça joue avec la vision. La rune avec les objectifs neutres, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas euh, C'est plutôt sympa. La CDR, non, parce que là, à l'heure actuelle, on s'en sort bien. Genre comme la ghoul de Kalista, mais elle revient vers toi après, rapidement. C'est juste un pet de jungle, et le pet de jungle, en fait, tu peux l'amener à 1000 euh, de de toi et euh, lui dire, euh, tu vas checker ça, il n'est pas spécialement rapide. Euh, ça serait OP en support, ça serait bien en un peu près n'importe où. Ça augmenterait la vision, peut-être dans un niveau un peu trop euh, bizarre, mais en termes de mini-jeu, ça pourrait être cool. Et à la limite. Il fait chèque, ça. Euh, alors, c'est un poro, j'ai pas le droit de dire ça. Euh, du coup, euh, on met une autre bestiole, ça la tue, et elle est pas disponible pendant la prochaine minute. Non, pas de la ténacité dans les runes, je sais très bien ce qui se passe quand on met de la ténacité dans les runes. Non, j'ai essayé de mettre une nouvelle rune, pas de faire revenir une ancienne. Euh, c'est ça le... ce qui est important. Elle fuit. Question numéro 15 de Lubillion. Il explo... Oui, le poro. Oui. Voilà, tu as une ribamboule de poros à côté de toi, et elle explose au moment où elle voit quelqu'un, et elle n'est plus redisponible avant que les poros se soient réglomérés en ribamboule. Ouais, très bien ça. Quelle modification apporterais-tu à lentille si on te donner carte blanche Euh... J'irai je... pas. <laughs> J'irai pas. Je suis très 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 contente de pas l'avoir. Le problème de lentille c'est que s'il y en a trop, tu régènes plus. S'il n'y en a pas assez, tu régènes trop. Et ça, c'est le genre d'équilibre où c'est jamais haut. Je... Ils ont essayé les 60% d'anti-heal euh, sur les items, c'est pas terrible. Euh, J'aime bi... bien l'idée qu'il y ait des persos qui soient spécialisés en-heal. Je pense que s'il y avait quelque chose à faire, euh, il faudrait peut-être que l'anti-heal soit un tier 4. Euh, un... Passer un anti-heal à 60%, un... en tier 4, genre un peu comme euh, le zéphyr qui est un item qui il vaut rien, mais quand as vraiment besoin d'anti-heal, tu vas lâcher tes 2000 P au dedans est talentile, euh, vraiment puissant. Le souci, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça devient une taxe QSS. C'est un peu le même concept. Euh, c'est un peu étonnant. Question suivante de Los... Losh. Je ne sais pas. Je, je, je n'ai jamais su, en fait, s'il faut que je dis Losse ou Losh. Euh, bonjour Yva, Re Relavira. Non, ça, ça c'est mon pote qui bosse en relations humaines. Hein. Euh, Relavira relavir les gens. Euh, Connais-tu les critères pour buff, nerf les perso de la part de Rito J'ai toujours l'impression qu'il les perso qui n'ont pas besoin pour aucune raison valable, et inversement, on nerf parce qu'un seul gars joue parfaitement ce personnage. Ça, c'est facile. Ça, c'est une question qui est facile. Riot Games, ils ont un certain nombre de critères euh, qui dépendent des Hello pour euh, déterminer si il euh, bannent un champion ou pas. Les buffs... Ils essayent juste de faire tourner, de dire ce champion est un peu bas. Je pense qu'il serait intéressant et ça peut être sympa. On peut, Il ne serait pas étonnant, même si c'est pas nécessaire, que effectivement on synchronise un peu certaines sorties de skins avec des up, notamment sur les gros, mais sur des up des champions qui sont peu populaires, ce genre de choses là. Soyons clairs, les skins ils sortent plutôt sur des champions sur lesquels vous achetez des skins et vous jouez les champions. C'est pour ça qu'on a un skin de Kai'Sa à chaque nouvelle et que les Yorick, bizarrement en ce moment, qu'est-ce qu'on mange bien sur les skins Parce qu'on n'a pas compris. Mais il y a une raison pour laquelle vous avez des skins de Diana à plus savoir qu'en faire, des skins de Sylas et de Kai'Sa à plus savoir qu'en faire. Vous les jouez et vous les achetez. Harry, c'est ça. Pour les nerfs, ils regardent en fait si un personnage est problématique à différents héros. Il y en a 4 ici et ils vous les mettent à chaque patch. Il y en a eu un précis champ buff, c'est ce que je dis, c'est pas nécessaire, je ne serais pas étonné qu'une fois de temps en temps ça soit arrivé, ce n'est pas la raison principale, il buff et il nerf pour faire rendre le jeu vivant, et pas trop fort, c'est comme ça que fonctionne Ryan Games. Euh, c'est Frick qui disait, euh, on a Corki, Corki n'est pas joué depuis euh, 8 ans en bot, là il est bot, ok c'est cool, ouais c'est pas mal, euh... Voilà, je suis assez fine, il faut le remettre, il est sorti trop puissant, mais le fait qu'il corkibot, je suis très heureux. Parce qu'on je... cherchait à remettre CorkiBot, parce que corkybot c'est un champion qui était nulle part. Et donc il le buff parce qu'il est nulle part, ça c'est une des raisons. Ensuite pour les nerfs, c'est plutôt... En pro, c'est le ban rate et la présence. Euh, qui gère en général quand un pic est trop présent, trop ban ou trop prio, euh... <coughs> en général il est trop fort, donc il cherche à le réduire. Quoi <coughs> wow. En élite, c'est le ban rate qui compte, pas mal. Moyen et doué, c'est plutôt les win rates. Il y a le win rate pour un peu tout aussi. Mais quand ça dépasse des seuils, ils disent non, c'est pas bon. Et ça dépend des champions. Typiquement, Anivia est un champion où vous vous retrouvez à pouvoir jouer dans des seuils euh, 53% win rate. Anivia n'est pas du tout euh, OP pour Riot, parce que c'est juste que les gens sont très bons dessus et qu'il n'y a que les gens très bons dessus qui la jouent. Donc elle est trop loin et la maintient équilibrée pour les autres. Et il y a des champions qui ont des équilibrages qui sont un peu euh, différents les uns des autres. Et ça dépend de s'ils si veulent que le champion soit bon en moyen ou en pot. Qu'à santé, ils cherchent à le virer du pro et à le remettre en moyen doué élite. Le simple fait qu'on le joue, c'est cool pour eux. C'était le but. Maintenant, il vont essayer de leur équilibrer sans le remettre en pot. Ça, c'est une autre chose. Et je crois. Il y a toujours une raison valable, par contre. Il n'y a pas de champion qui nerf sans raison valable ou parce qu'un seul gars le, le joue parfaitement. Euh... Il est arrivé euh, qu'il y ait des nerfs pour trois main chaque. Ils ont fait un changement et ils disent pour un tel, un tel et un tel, désolé. C'était pas pour vous, mais on sait que ça va vous nerfer, vous en particulier. Euh, The Boss a tendance. À... Les nouvelles stratégies, donc le funneling, The Boss, ont plutôt tendance à être traitées différemment. C'est pas des nerfs, c'est des systèmes. Donc c'est à cet endroit-là. Et là, c'est. Est-ce que Riot Games veut que la stratégie soit viable ou pas dans le jeu c'est leur choix. C'est leur jeu. On y joue. C'est eux qui ont le choix de savoir ce que. Tout comme vous pouvez me proposer toutes les vidéos que vous voulez, à la fin, je ferai celle que j'ai envie de faire. C'est un peu le même délire. Et Poppy euh, et... et Riot, de temps en temps, ils nerfent des choses où, euh... quand vous avez un problème de fairness, genre, c'est pas interactif pour l'adversaire, c'est pas fun, ils le nerfent. Un champion qui s'est fait. Nerf alors qu'il ne méritait pas un nerf, c'était Atrox et Yumi à l'époque où ils étaient à 40% de winrate. Riot Games a dit, on les re-nerf, arrêtez de mettre 70% de ban sur les deux champions. Arrêtez. Le pic il est pas viable. Laissez-nous le temps de le rework. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et en fait, là, c'est un nerf qui ne méritait pas, et ils ne méritaient pas le nerf le champion, mais nous on méritait le nerf. C'est ça qu'a fait arriver. Nightwolf, euh, seconde question, car les modos, ils ont dit qu'il n'y en avait pas assez. Oui, j'ai râlé. A... Oui, alors, le dernier lobby, j'ai dit Bah alors, les gars, il n'y a pas assez de questions. J'aurais pas dû ouvrir ma tête. J'aurais fait. Bon, je comme ça. <laughs> Parce qu'ils ont pris la bouche dans le Discord. C'était pas mal. Quel est ton champion préféré de chaque lane Inversement, champion que tu aimes le moins de chaque lane. Droit à Akali que sur une seule. Akali, je la trouve particulièrement problématique. Au top. Euh, je... Parce que en fait elle, elle se met à avoir la range. Et là t'as pas d'interaction favorable avec elle. Euh, au mid, mon champion euh, que j'aime le moins. Euh... C'est quoi le champion que j'aime le moins au mid J'ai tendance à ban Z mais c'est plus une histoire de pique ce que j'aime pas jouer. Euh, non non non, Akali mid en fait, elle n'a pas la range, elle se fait bully par un tas genre Non non, Akali, tu peux vraiment la jouer au mid. Euh, C'est, je suis pas, suis pas vraiment, euh... je suis pas vraiment en problématique. Euh, C'est pas vraiment une problématique pour moi. Euh, j'aime pas jouer quoi au mid. Ah, au mid, j'aime pas Aurélion. Parce que Aurelion c'est un gameplay qui est très peu interactif et en fait quand tu joues pas mid euh, et ça c'est point de vue de pas mid laner si t'as pas de split push tu passeras jamais Aurelion t'as pas d'engagement pas de split push. il auto win à certaines compos et j'aime pas ça euh, en jungle euh, je dois avouer que j'ai pas de perso que j'aime pas il euh, a pas trop de stratégie j'ai vraiment un problème avec Yi mais bon euh... <laughs> dans ma famille il y a que des Metrei voilà. Le, le simple fait que le perso soit jamais là pour te taper, euh, c'est pas très, très intéressant. Euh, à l'ADC, je dois avouer. Oh, c'est une vraie bonne question à l'ADC. À j'aime tout. Il n'y a pas de champion qui me fait râler en particulier. Euh, vraiment, ça va. Et au bot, pareil, tout se joue tellement que j'ai pas de personnage qui me fait râler au-delà du possible en me disant Ah voilà, c'est Imba, Brand, c'est peut-être le plus proche, mais Brand, je le prends. Voilà, ça va, il n'y a pas trop de soucis. Et pour mes préférés... Ah, J'adore l'ancienne Kale J'adorais l'ancienne kale, j'adorais l'ancienne Irelia et je n'aime pas les nouvelles. <laughs> euh, trop de clics pour le, le résultat. Non, elle ça va. Je trouve ça que c'est fort, mais ça va. Euh, mais au top, euh, j'aimais ces champions-là. Euh, un champion que j'adore jouer, c'est Gangplank, mais je suis nul avec. J'adore le jouer. Euh, véritablement. Euh, au niveau de la jungle. J'adore Yorick, Nazus et Timo. Mais mon champion jungle, c'est Shivana. J'adore ça. Mais Yorick. Nasus et Timo, ça a des gameplay en jungle, ça me fume! Nasus, 20 minutes 500 stacks, Yorick il arrive avec ses ghouls, coucou en fait je te gang pas, je prends la tourelle, c'est génial! Et Timo, je vais poser des champignons partout, et vous le savez, vous jouez ça. Euh, c'est vraiment pas mal. Euh, ça c'est pour euh, la jungle, à la mid lane, luxe, 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 j'adore jouer le build pu laser hein, où tu as ton air tout le temps sur toutes les waves, j'adore faire ça! Tu fais en fait partie du bas fond de la société Non, je joue des games fun en jungle, je suis top laner <laughs> Parce que quand je me retrouve jungle, je fun fact ou je joue Shivana. ADC c'est MF, sans aucun débat possible, j'adore jouer MF. Et à la bot lane, support c'est Leona. Parce que si je suis pas dans ta face, je ne m'amuse pas en support. Ça, ce sont mes champions préférés. Vous avez vu, Iconoclast. Est-ce que les infos sur ton site sont toujours à jour et sinon, ça serait marrant que ça soit toujours à jour C'est relativement à jour, mais il faut que je refasse mon site. <laughs> merci, Lélanivia. <les> <laughs> euh, bonjour à toi et merci encore pour ton travail d'une grande qualité. Tu parlais lors de ton dernier lobby, il y a de ça un mois, euh, que tu prépares une seule lade en faisant des scrims. Une lade en faisant des scrims. Penses-tu nous, prop nous proposer du contenu ciblé pour le jeu en team Alors, Alco, j'ai déjà répondu à cette question trois fois aujourd'hui. Euh, et vu la popularité du grandissant de cette composition, je trouve peu contenu sur le sujet. Déjà répondu. Tu es là, parfait, je t'ai attendu. T'as vu, on fait gaffe. L'élaristique oui, parce que c'est bien connu. Après la question 19, il y a question numéro 2, parce qu'elle sont numérotées de 2 à 1, 2 à 2, 1 à 50, et que 2, c'est supérieur à 20 euh, dans OBS. Ah. Je. Je préfère ne pas en parler. Euh, je tenais à saluer l'évolution des dernières vidéos, les formats sont super cool. On parle plutôt des formats à base d'inhibiteurs et de timo. Question légère pour toi qui suis l'esport de depuis longtemps. As-tu suivi le parcours des ROX Tigers à l'époque Si oui, est ce que tu penses Pensée d'équipe et ton avis sur Peanuts pour les Worlds en cours Oui, j'ai re revu la vidéo de The Great Review sur eux. Euh, oui, j'ai suivi un peu le parcours des Tigers à l'époque. Euh, mais bon, euh, la télécom war, ça a été la télécom war aussi euh, à l'époque. Peanuts, mais je me souviens juste du fait qu'il a raté un smite sur un baron Nashor il n'est pas allé au Worlds. C'est la seule chose dont je me souviens de Peanuts. C'est le type. Il est super fort en saison régulière et quand il arrive au Worlds, ça te choke d'une manière ou d'une autre, même s'il si carry. C'est son équipe qui te choque. Machin. Il est tellement peu chanceux. C'est terrible. Question de Gnariva. Salut Léla. J'ai trop peur de sortir certains champions par manque d'expérience. Et donc, oui, tequila, je l'ai vu, mais je la refais ici, euh, je pense qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu. Et donc de me faire insulter pour rien. Tu auras une solution ou un Mewtall est obligatoire, surtout pour les gens qui travaillent hard en Norman Game. Si... Alors. Celle-là elle n'est pas très dure à faire. En fait. Oh là là, on va lancer LOL. Euh, je vais lancer un entraîne. Je vais te montrer ce que tu cherches à faire. Le Mewtall qui est bon. bon. on prend Karen. Mon cœur. Voilà. Et mon épée appartiennent à Demacia. Bah, vous savez comment je joue, Il hein n'y a pas de surprise. Ça va laguer un tout petit peu, je pense que... Là, parce que là, le PC, je lui en demande beaucoup en train de streamer à deux endroits, plus de records. <laughs> euh, il fume un peu. Ouais, comme Cheville. Comme Cheville, ouais, pareil. Euh, si je t'explique un peu, le Mewtall qui est le mieux. C'est soit tu slash mute all dans le chat, soit tu slash mute all. soit tu vas ici et au lieu de te mute toi, euh, qui va être donner l'information à tes alliés et ça peut les faire tilt. Tu, si tu te mets en sourdine toi-même, là tu, tu vois ça et je suis pas sûr que tes alliés aiment. Ou sinon tu cliques à côté ici et tu leur dis. Juste les messages, je ne veux pas les voir. Comme ça, tu te feras pas insulter. C'est la stratégie. Et si vous avez des streamers, ou autres, automatisez ça. Vous rentrez dans la game, vous, vous cliquez sur le bouton, et ça se passe bien. Comme ça que je ferai. Euh, Gaple FR, celui-là est Récemment, j'ai essayé un build Taric, Temp, semi Tank, capé, J'ai trouvé ça stupide de pouvoir trader n'importe qui sans problème tant que tu as du mana. Est-ce que tu penses que c'est problématique sur League of Legends Non, c'est fun. Si ça devient trop méta, c'est nul. Et Riot Jira, mais pour le moment, tu es vraiment dans le build fun, donc euh, ça marche. Euh, et accessoirement, tu peux désactiver le chat des autres, mais euh, moi, personnellement. Je, le chat party, c'est celui qui te pose problème. Le chat hall, tu te feras pas insulter. Badring, question, je pense connaître la réponse. Dans les tier list, tu dis que tu prends 99,99% de, ga de game. Ouais, Alors, 100 millions de games, je les analyse pas parce qu'on les joue pas, <laughs> déjà. Euh, par patch. Je ne serais pas étonné qu'on soit pas juste 100 millions, mais un peu en dessous. Euh, tu ne les analyses pas toutes par une, n'est-ce pas Ah si, 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 si. Je les lance, euh, je regarde, et puis je regarde si ça joue bien. Et à la fin, quand je vous dis que Rise, c'est bon, c'est vraiment... J'ai vu toutes les games de Rise Non, c'est des... C'est des... J'utilise les données de Lolalytics principalement. Et eux, ils analysent les games une par une. Ils font des données agrégées que je récupère et ensuite moi ça me permet de regarder les données agrégées et ensuite je regarde ça ce qui fait déjà des granularités assez fortes, mais oui à la fin on a regardé les games une par une, avec des algorithmes. Oh là là Bonjour monsieur le streamer, lors de ta vidéo cog en AP tu m'as fait découvrir un perso turbo broken, désolé pour tes adversaires. Selim OTP fiddle en jungle. Storm Surge, Flame, Zeke, Abyssal. Oh, il est beau celui-là. Euh, Ezonia, est-ce que le Liandry est obligatoire pour toi Le drain peut être cancel 0,2 secondes avant la fin des timing, quand même proc pour clear plus vite, perma-farm, lis votre grudge, et pas les drakes, vous perdez trop de temps en early. Ça, c'est un message, pas une question. Euh, pour la... le Liandry, non. Non, le Liandry n'est pas obligatoire sur Stick. Là, t'as plutôt un build, bonjour, j'arrive et je les burst, avec de la pénétration. Euh, moi, je pas de problème avec ça. Euh, si tu veux jouer un build un peu plus tanky, là tu fais Liandrie. Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer. tom 34, euh, pour la question 24. Ah, je me suis raté. Euh, salut Bon, la question euh, si les pourcentages de pénétration. Euh, si je ne sais jamais si c'est les pourcentages de pénétration qui s'activent en premier ou la létalité, donc la pénétration en valeur. Pénétration en pourcentage, puis pénétration en valeur. Et avant tout ça, tu as la réduction en armure. Tu commences par ton coup près noir, ton masque abyssal euh, qui font les, les réductions. Ensuite, tu fais la pénétration en pourcentage, c'est pour ça que c'est moins pratique. Et après, tu fais la pénétration en, en valeur. Sachant que les, pénétrations en pour les réductions et la pénétration en pourcentage sont multiplicatives entre elles, c'est-à-dire que ça ne décisionne pas. Ah, on arrive à ce moment-là. Phantom Dragonborn! Ta -da -da -da. Alors ta question est beaucoup trop longue mon ami, c'est la 25. La 22, ouais il s'est passé quelque chose avec le lobby, c'est absolument terrible. Euh, Je suis à la recherche d'un pick mid AD qui soit pas un assassin. Joue en rélion et cogapé, du coup Simati me fou la paix il faut un pick AD pour compenser. Champion de conseiller en particulier. Mage Harry prendre poigne. Dans certains match ups ça marche. Ah, Excusez-moi, la faut que je lise un truc qui est gigantesque. Il y a plusieurs questions en une. Euh, seconde question, Harry poigne. Ok, est-ce que c'est valide dans certains match ups que ce genre de jouer poigne Je me fais bait par les pros qui utilisent une pour jouer en équipe. Et c'est fantôme. Bien joué. Euh... <laughs> je meurs de cringe à chaque fois que j'entends mon pseudo. Ah, désolé. <laughs> désolé, désolé, désolé. Tu joues comme tu T'es full-appé dans ta team Joue comme et AD Il a une mythe c'est surprenant aussi. Euh, pour la deuxième question, dans la poigne, c'est vraiment, il faut une belle auto. Euh, c'est des questions qui sont paradoxalement super longues à écrire euh, et très faciles à répondre. Salut les Lariva, je suis un main jungle Maokai hiver Evelyn et je suis en grand manque de champion AD dans mon pool actuellement. Aucun ne m'intéresse, je les trouve plats à jouer, j'ai pas les doigts pour jouer Lee Sin. JK Xin Rengar ont un gameplay platonique. Ils croisent pas l'âme sœur, Oh, c'est dommage. Euh, au possible, les champions trop mécaniques, mes doigts ne survivent pas. Un peu d'aide. Euh, sinon, continuez, j'avoue, à hésiter le mariné, mon Evelyn arrive. <laughs> Slat bait. Bait, normalement. Ou bête. Comment est-ce qu'on dit. Euh, c'est betterave, B-E-T mm -hmm. Des champions rigolos. Sachant que tu joues principalement des tanks et des AP Shivana. Parce qu'il y a quelque chose de quand même très sympathique à jouer une Shivana AD et à la transformer en AP ensuite. Comme ça, t'es pas nécessairement en train de dire aux adversaires ah bon, en fait, euh, c'est une Armor Si tu veux un AD pur et euh, tu trouves que les autres, c'est pas euh, terrible. Euh... Alors, si tu, tu veux un truc en plus, tu t'amuses. Talon. Talon Jungle. T'as pas, pas besoin de doigts si affûtés que ça pour jouer Talon, et c'est pas mal. Wukong aussi, ça peut être bien. Méfie-toi, Wukong, ça demande un peu plus d'APM que, que prévu. Je suis platine depuis les trois derniers splits en faisant même pas 50 games par split en ranked. Que vu ma surprise quand, sur ce plat, j'ai atterri Silver, je remonte petit à petit. Du coup, ma question, pourquoi est-ce que j'ai atterri aussi loin de mon vrai rang parce qu'ils ont fait un hard reset au lieu de faire un soft reset. Moi, j'ai fait master à l'eau euh, émeraude. Ça m'a fait mal. Du coup, je serais pas étonné qu'un plat en faisant 50 games qui décaille un peu se retrouve au silver. Voilà, C'est juste, ils ont fait ça. Euh, C'est un peu n'importe quoi pour le moment. Euh, on va voir ce que ça va donner s'ils si font pas un hard reset. S'ils font un hard reset régulièrement, on va avoir un speed qui est un peu gâché. Parce qu'il faut, en fait, quand ils font de la mayonnaise, ils font de la... Hum... Euh, on va faire la cuisine, vous mettez de l'huile et euh, du vinaigre, de l'eau, vous faites votre vinaigrette. En fait, ça va faire deux phases. Et quand, les quand vous laissez reposer, ça fait deux phases et ça fait euh, le et l'eau, le plus bas et l'eau que toi. Et quand tu as des... que des trucs qui ne sont pas mixables entre eux, tu vas créer la solo queue. Si tu touilles, tu vas créer une vinaigrette. Un truc qui s'appelle une émulsion, où ça marche ensemble et c'est un peu indiscernable. Indis et ça va reprendre les phases. Avec le temps, en laissant du repos. Donc là, il faut laisser du repos à la solo queue. Donc nous, qui jouons des games, parce qu'ils ont tellement tout fort que pff, la qualité de la solo queue est pas incroyable. Seranas euh... salut de l'arrivage. J'ai commencé lol il y a peu. J'ai découvert ta chaîne. Plus un abo évidemment. Merci à toi. Et je ne vou voulais simplement savoir si tu allais faire une petite vidéo sur Nautilus. Je sais qu'il y a énormément de personnages. Tu peux pas tout faire, c'est normal. Et du coup, ça veut dire que Nautilus c'est un champion bof bof, pas très intéressant à suivre. Euh... Ouais. <laughs> Euh, en fait je peux pas faire des guides sur tous les champions du jeu Nautilus c'est un champion où il n'y a pas tant de choses à, à dire que ça et euh, c'est le problème que je rencontre c'est qu'est-ce que je fais avec tout c'est pas facile je m'y connais en métaphore mais là franchement respect j'apprends carrément à cuisiner euh, bah, <laughs> c'est la physique les émulsions en fait donc euh, moi ça va c'est de la vulga facile j'ai l'habitude de la faire celle-là le reset t'a fait monter euh, My Name Ah ouais Pas mal Das, euh... bonjour cher Lariva, je t'ai découvert il y a un mois, merci pour tes vidéos qualitatives et merci pour ta découverte. Petite question, j'ai fait dans mon champion de pool support, suivant tes conseils, ceux de Shrik de Gaëtan. Je, 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 je rephrase. Tu as fait ton champion de pool support en écoutant un top laner, un mid laner et un autre top laner tu joues quoi <laughs> Zilean, Garen et Gaëtan il joue quoi en ce moment <laughs> voilà. C'est vrai que le champion de poule de Shrik, franchement quand il se met à abuser de Karma et de Zilean, ça peut se mettre en support, ça marche. Euh, on se voit pour une prochaine Poyoko. <laughs> je, alors, je suis désolé mon ami. <laughs> Mais franchement, quand il nous dit moi j'abuse de Karma <laughs> <laughs> oui, ça va, support et ça marche. Euh, mais euh, bon, le, 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 le Garen Fiora Bot, faut, faut y aller. Non, blague à part. Faut-il sortir un champion de notre pool s'il se fait art-nerf par Riot et Garen Garen, j'ai arrêté de le jouer parce qu'il y avait une histoire de sensation, ça s'est restabilisé, il n'y a pas eu de nerf ou de up de Garen. Et là, je me remets à jouer et ça va. C'est dans ton cerveau, souvent. Euh, à moins que ça soit un changement complet de champion, là typiquement je pense que ça serait pas étonnant qu'il y ait des gens qui n'aiment plus vraiment jouer Swain parce que c'est pas exactement le même feeling. Mais ça change pas tant ça. Quand on est changé de Irelia à la nouvelle Irelia, Kale à la nouvelle Kale, ça changeait complètement le champion. T'avais le feeling mais tu peux décrocher du champion à cause de ça. Souvent sur les hard nerfs, tu seras meilleur sur un champion que tu maîtrises bien. Plutôt qu'un champion fort nouveau. Il n'est pas anormal que tu cycles un peu ton champion de pool avec quelques champions qui restent en permanence qui sont tes mains, et ensuite des champions en dessous qui sont dans ton champion de pool à peu près classique, et là où tu as des entrants, des sortants, des machins. Typiquement, en ce moment, moi j'ai beaucoup de mal. Mon champion de pool de fin d'année dernière, c'était euh, Olaf, euh, Rumble et Malfit. Et alors, qu sont f... alors que Rumble est en ce moment très fort, ils ont pris quelques nerfs, où, genre en termes de feeling, j'ai eu un peu de mal avec les méta. Du coup, je suis passé sur euh, Volibear, Jarvan et Garen. Et Garen, là, j'ai passé un mois à ne pas le jouer parce que j'y arrivais pas. C'est ce genre de choses-là que tu vas croiser et c'est ça qui te fait sortir de ton champion de pool. En fait, tu vas, au fur et à mesure des années, changer par rapport à un champion de pool. Un champion de pool. Un champion pool qui a, euh, qui Et le plus dur, c'est d'apporter un nouveau champion là-dedans. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts sur ce split pour démolir mes stats pour ajouter des top laners d'équipe. Ils ne sont pas bons mais j'avais une autre raison que juste les nerfs. Même si ça a... est né. SETORIVA Toi tu es probablement fan de Yu-Gi-Oh! Setoriva Kaiba Question numéro 3. Petite question sur 7 euh, moi qui avant le début de ce segment. Euh, j'avais une, hés une hésitation à prendre la pelle. Aidez-moi dans le chat si vous comprenez ce que veut dire le monsieur. <laughs> je... euh, même si ça penchait plutôt du côté du non que du oui, mais maintenant, depuis que les changements apportés avec le nouveau segment, j'ai plus d'hésitation, je l'apprends, la question est donc la suivante. Selon toi, devrons on abandonner un champion qu'on adore car selon nous il n'est plus viable ou alors continuer à m'essouffrir Pour moi, le plus gros problème actuel de 7, c'est qu'il n'y a plus de mobilité que son kit de lobby, je faire principalement que des HP de l'AD. L'appel Yorick Oui Non, euh, la réponse, déjà, 7 c'est toujours un bon champion de solo queue. Euh, parce qu'il est vraiment fort avec ses builds d'attaque speed. Ouais, Yorick potentiellement. Et on en revient à la même question. Change les champions de ton champion de pool s'ils ne te, te plaisent plus, pas sur les up et les nerfs. C'est vraiment, garde le fun dans League of Legends, les choses que tu maîtrises. Si, tu, si ton fun c'est d'aller toujours d'un nouveau champion à un nouveau champion, fais-le, mais dis-toi que pour progresser c'est plus dur. C'est tout. Random GOAT. Tiens, un confrère. Salut les Lariva, je voulais savoir ce que, en tant que joueur de bon niveau, tu penses des pics exotiques. Par exemple, le King Top, Panthéon ADC ou encore l'Iliamid. Et je viens de me rendre compte qu'en disant un confrère, vous savez pas si c'est le Random ou le GOAT dont je parlais, et c'est génial. Euh, <laughs> et oui, ces exemples sont mes pics, et non, je ne troll pas. Euh, je pense que les pics exotiques sont très bien. Euh, King Top, cool. Panthéon ADC, ça marche, et l'Iliamid ça marche aussi. Euh, C'est juste qu'on a tendance à jouer la méta pour jouer la méta. Confrère en un ou deux mots. <laughs> euh, oui, pareil. <laughs> pareil. Slim72 On va y arriver, on va y arriver. Alors Slim72, je n'ai plus ta question, désolé. Hop, là je lèche. Alors, lui, c'est la question numéro 31. Ah oui, j'en ai plusieurs, des slims. Bonjour les Lariva, j'ai commencé le jeu en février. Toutes mes félicitations, je joue jungle. Amumelilia, bloquer faire, je sais pas quoi faire. Euh, tac, 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 tac. Euh... Penses-tu que je puisse 1v9 pour sortir de cet enfer qui est le fer, changer de perso, manger bon les objectifs pour favoriser les gants, ou me trouver un duo Bonne journée à toi. Enfer, c'est principalement ta connaissance du jeu euh, qui va compter. Ce qui est important, c'est de toi apprendre à chaque game. Parce que tu as un v 9 quand tu es largement au niveau. Tu seras quasiment jamais en train de avoir un v 9 quand tu progresses, pour la bonne et simple raison que tu pas au-dessus. Si tu m'envoies là tout de suite à ton vélo, je veux un V9 parce que j'ai mis des années de progression euh, comme ça, à monter, euh, et qu'en fait j'ai créé du différentiel à un tel point que je peux un V9. En faire, progresse. Joue le jeu pour t'amuser et pour progresser, progresser, progresser. C'est LS qui disait jusqu'en platine, League of Legends est un jeu solo. Et je suis d'accord avec ça parce que jusqu'en platine, vous apprenez le jeu et la base, et c'est extrêmement difficile. De dire je dois un V9 mes mecs. Non, apprends à chaque game et tu vas voir, ça va monter tout ça. Yoshi FR. Avec les changements des derniers pages sur AP Electrocule, que constitue un bit simple sur du Zaira support Comme net en arbre 1, 2, mais, en arbre, en arbre 1 mais en 2, qu'est-ce que tu fais Ou du sans racheur d'œil, euh, précision, Zaira tank. Euh, Zaira tank, c'est bien quand on va te foncer dessus. A... Le, le, le truc, c'est que Zaira a beaucoup, beaucoup d'options. Entre euh, dans ces runes, c'est véritablement une histoire de style de jeu. Électrocution, c'est si tu veux euh, poker des gens qui sont low life. Tu bien entendu aeric qui est très pratique pour poker euh, de très loin à répétition. Euh, tu as, je crois, la moisson noire qui est franchement sympa. Ah, je le dis, franchement sympa pour aller euh, tirer sur le late game. Et Comet, c'est pour prendre la prio. Si t'es en lane, la Comet, pourquoi pas C'est peut-être pas ma rune favorite sur Zyra, je préfère plutôt Electrocute ou, ou Aery. Et pour la deuxième, c'est vraiment un choix que t'as à faire. Goût du sang et Racheur d'œil, le but du jeu de ces runes-là, c'est d'être bien plus fort en lane. Présence d'esprit, c'est les teamfights ne jamais être Oum. Les Zyra tank, dans ce cas-là, n'hésite pas à faire vert. C'est vraiment, tu choisis tes runes en fonction de ton choix. Joue ton build, joue ton stuff. Il y a des gens qui jouent full tank, il y a des gens qui jouent full AP et les deux gagnent. La j -Je. La j -Je. À quand le FF qui s'en suivra C'est à vous C'est à vous le FF Par contre, soyez très clair, si vous attendiez une vidéo demain, c'est fini. <laughs> voilà la voix là Oh les cordes vocales Bonjour les Lariva, merci pour ton travail. J'adore regarder chacune de tes vidéos. Euh, bienvenue dans celle-là, va être plus longue que les autres. Toi dans deux heures, le FF. Oui, je FF dans deux heures, quoi qu'il arrive. Euh, J'aimerais comprendre pourquoi certains personnages profitent plus du Onid que d'autres. Ah Oh Eh Oh, les bonnes la question Oh, elle est dure en plus! En game design, la question c'est comment est-ce que tu, tu poses tes dégâts? Si tu poses tes dégâts avec tes auto-attaques et que tu veux en plus faire ça avec beaucoup d'attaque speed, tu vas profiter du on-hit, qui est au déclenchement de tes auto-attaques à l'impact sur les gens. C'est ça qui se passe. Donc tous les champions qui ont une facilité à mettre des dégâts à travers leurs autos vont en général bien porter des dégâts on hit, qui en général proviennent d'items qui fournissent de la, de la vitesse d'attaque. C'est ça qui se passe. C'est la raison principale pour laquelle la plupart des ADC sont moins ça. Quand ils ont une bonne statistique d'attaque speed, ça, ça peut dépendre d'un truc qu'on appelle leur ratio d'attaque speed. Parce qu'on connaît la vitesse d'attaque des champions, mais on connaît moins leur ratio. Car oui, dans cette vidéo, j'ai ratio Caitlyn. Caitlyn a un ratio d'attaque speed qui n'est pas très bon. Du coup, acheter de l'attaque speed sur Caitlyn, c'est pas terrible. La plupart des sorts de Caitlyn ne la récompense à prendre de l'AD et pas de l'Attack speed, des crit en plus. Du coup, Caitlyn n'est pas un bon perso euh, on it, pour la bonne et simple raison que si elle joue on it, elle va laisser son kit de côté, donc ses sorts, elle va laisser une bonne partie des stats par rapport à d'autres ADC. Varus est un cas un peu particulier, dans le sens où dans son passif, il y a beaucoup d'attaque speed. Euh, y a maintenant, y a... alors ça a changé. L'attaque speed est du onit. Il y a du onit sur son Z de base, donc il a un sort qui lui permet de jouer onit plus vite. Et accessoirement, c'est un perso qui peut choisir et qui est absolument qu'à tout. Qui peut jouer attaque speed, qui peut jouer crit, qui peut jouer AD de loin et qui peut jouer AP de loin. Ça marche. Et en fait, comme il a tellement tout, tu joues n'importe comment et ça marchera. C'est pour ça qu'à un moment, on avait des varus tank mid. C'est plus une histoire de game design. Euh, mais grosso modo, si tu as une bonne auto-attaque et des stéroïdes d'attaque speed, tu as un onit plutôt correct. Euh, si tu as quelqu'un qui scale beaucoup sur le fait de, de crit, le onit c'est un peu moins intéressant. Kogmo, par exemple, a une compétence onit. Varus a une compétence onit. Ils peuvent jouer it tous les deux. Tristana n'a pas de compétence onnit en particulier. Par contre, elle a une bombe qui a fait exploser. Elle préfère mettre des crits. Elle préfère avoir des interactions avec ses sorts. Et les interactions avec les sorts, c'est souvent ça. Varus, il choisit toujours entre le onnit... Enfin, c'est des, des distances de DPS range. Irelia a un passif hit, qui lui donne de l'attaque speed et du onnit. Donc, du coup, c'est un bon onnit. Euh, Train d'Amer a énormément d'attaque speed, mais n'a pas de passif A plutôt des choses qui sont plutôt basées sur la régène et les crits. Du coup, tu le joues crit. C'est un peu ça. Vayne, elle a un onit sur son Z. Elle veut attaquer le plus vite possible pour mettre son, son Z. Et c'est pour ça qu'on la joue comme ça. Si tu joues pas Vayne onit, tu joues sur ses autres sorts. Et ensuite, tu pries pour que le onit de Vayne finisse par fonctionner. C'est comme ça que tu as le, la différence. Et merci pour l'aide dans le chat. Vous m'aidez vraiment là-haut. Hein. Parce que les exemples, c'est plus facile à trouver quand on vous les donne. À Chris. Bonjour les Larivas, Je me suis toujours posé une question. Euh, pourquoi Riot Game ne remet-il pas l'ancien passif de Azir Pour formation il donne un bonus de vitesse d'attaque sur les réductions de délai de récupération. Cela concerne autant la réduction conférée par les objets que par les runes, maîtrise ou bœuf. Aussi, sa tourelle, quant à, elle, quant à elle, est restée. Comme je pense qu'Azir est un ancien champion qui date de 2004. Oh punaise Déjà. Par rapport aux champions qui aujourd'hui ont plus de polyvalence, ça permettrait de mettre Azir au goût du jour. Qu'en penses-tu Comparé avec le passif de Belvette, pas de jaloux, à le... Azir, ils ont essayé de lui donner une identité de personne qui a reconstruit son, son empire et lui donner la tax speed en fonction de l'ability ace, c'est très dangereux parce que plus t'as de sorts, plus t'as de tax speed, plus t'as de speed, plus tu fais de dégâts dans tes sorts que t'as souvent avec Azir. Et ça, ça le rend extrêmement fort. Euh, pour euh, Azir, le souci c'est qu'à l'heure actuelle son kit est très très bon en pro et trop dur à jouer en solo queue. Il est très unique, très sympa, thématiquement super. Et l'entendre que les Shurima en permanence, moi ça, ça fait partie des choses qui me font toujours le plus rire du jeu. Enfin, Azir et Shurima en permanence. Euh, je... Il faudrait qu'il le rework complètement pour le sortir, mais ça ne serait plus le même champion. Euh, en, au niveau des passifs, je suis pas sûr que ça soit ça le problème. Là, il faudrait changer de manière à ce que ça soit, ces soldats soient différents, parce que c'est le positionnement des soldats qui pose souci. Dès que c'est forcé trop fort, euh, donc à bas niveau, c'est compliqué. Et c'est un champion scaling infini, donc euh, bah, quand les gens sont très forts dessus, ils sont infiniment forts. On doit équilibrer ouais, pour les pros. Si Azir écrase, Azir est un champion qui écrase la méta pro, et donc ils sont obligés de le maintenir mauvais pour les gens normaux. Bah ouais, mais Garen, il dit pas Massia tout le temps. Il, il dit pas Massia aussi souvent que Azir dit Shurima. Franchement, euh, as tu joué Azir, c'est euh, Shurima, ton empereur est de retour. Shurima, quand il meurt, Shurima. C'est bon, on a compris que tu viens de Shurima. Je, je, je sais comme moi si, si moi j'étais... Abonne-toi euh, N'oublie pas. Abonne-toi On dirait un créateur de compte. Oh mince. Je suis devenu exactement comme ce pigeon de chourima. Londruc. Bonjour à toi. Petite question. J'adore jouer Kled et Merdinger en top lane. Tu dois avoir des fans dans le chat. Tu dois avoir de sacrés fans. Euh, des gens qui... Veulent que tu n'existes plus et des gens qui t'adorent. Euh, même si je crois que dans la tête des CLED, il n'y a qu'un seul vrai et unique CLED eux-mêmes. Donc je pense que tout le monde te déteste, en fait, même les Medkill Clèdes. J'y ai assez Bon Winrate autour de 70% sur eux. Wow Cled, oui et merde, non ouais, Je savais que ça créerait ce genre de choses là. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment ils ne sont pas aussi strong qu'avant. Ça va euh, pour Kled? Ça, peut-être un nerf des items AD. faut le jouer différemment dans ces cas-là. Kled s'adapte très bien à un tas de builds, se jouait même tant qu'à une époque, mais Emer, je vois pas trop. Emer, c'est juste dans ta tête, euh, c'est pas trop un souci. Euh... <laughs> les de le ça y est, je suis de retour. Euh, bah, Phantom, normalement, on l'a passé hein. euh, et on l'a passé au moment où t'es là. Je sais pas si t'en as une deuxième, euh, Phantom, question 22. Euh, C'était un Pika des euh, qui soit pas un assassin. Ouais je t'en ai proposé quelques-uns. Euh, mais je sais plus lesquels. J'ai oublié, désolé. Il mérite de se faire perdre ma pour le MR Top. Alors on voit les joueurs de par -range top qui arrivent. Euh, non, je t'ai répondu ou pas Non, c'est princi euh, principalement dans ta tête. Si tu as 70% de winrate, c'est pas la force du champion qui change, euh, mais plus le fait que euh, tu tu vas chercher à continuer à progresser et à 70% silver, tu vas normalement hit des gens qui vont t'arrêter. Euh, C'est comme quand je m'occupais de faire mes montées, euh, pour ce, que, ce qui m'arrive, quand j'ai fait mes montées en assez peu de temps, à un moment je débloque et j'ai 60-70% de winrate jusqu'à me mettre au prochain elo où j'ai un truc à travailler. Et là, j'ai l'impression que mes champions ne marchent plus. Pour la poignée Aurélion, non, c'était pas une bonne idée. Pour La poignée rayon, c'était pas une bonne idée. Mais si tu vas sur le live YouTube, fantôme, tu peux retrouver ta question parce que le live YouTube, l'intérêt, c'est que tu peux rewind où tu veux, pendant le live. Salut, en vrai, ça concerne pas mais t'as fait quoi comme étude Déjà répondu dix fois dans cette vidéo. Ingénieur, ensuite thèse, en physique. Alors, celle-là, il faut savoir une chose c'est que celle-là, je la réponds à chaque, live, à chaque live, on me la pose. À chaque lobby on me la pose. À chaque fois que je dis que je suis youtubeur on me dit ça à quoi ton diplôme Et à chaque fois que je dis que je suis scientifique, pourquoi t'es youtubeur C'est tout le temps. Ça me fait toujours rire. <rire>, euh. <rire> Comment prononce ça <laughs> euh, Alors, virtuel basique, euh, Curux. Euh, PWP, ça doit être une emote euh, HHR, Head of Human Resources, Wayzorak. Wayorac Non. Wayosac C'est comme ça que tu t'appelles Parce que là, je l'ai pas. Je tu... crois que c'est le premier où Lela Riva, l'homme à qui on écorche le pseudo, n'arrive pas à prononcer un pseudo de quelqu'un, mais là, tu as un peu cherché, quand hein. J'ai juste lu les lettres au fur et à mesure. Ouais, c'est pas mal. Virtual Basic Surux, u imotu u Human. Non. Head of Human Relationships, Resources, Wayosak. Eh non, c'est pas un élément chimique. Hein. J'ai hâte de t'entendre lire mon pseudo. Je te déteste. Sache-le. Quelles sont les différences concrètes entre le Blue, bill, le blue Side et le Red Side J'ai joué Zreal dans mon temps. Il euh, y a des trucs évidents genre la position des objectifs et de la caméra, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ça influence autant les résultats des parties, surtout en pro. Je me dis qu'il y a plus que ça. Et c'est pour ça que j'ai la map. Euh, Center Small. Alors, excusez-moi, je, je sais que c'est terrible, mais je vais virer ça, le temps d'expliquer. Je vais virer ma webcam aussi. Ah ouais, j'avais fait une animation Oh la vache Pardon je redécouvre ce que j'avais fait. Alors, comme tu vois sur la carte, elle n'est pas totalement symétrique. Déjà, en termes. De... Tu as des asymétries sur la carte qui sont liées au fait qu'on est 5. Euh, la jungle, ça a été créé très tard par un type qu'on appelle Diamond prox et les Moscow 5. Et euh, c'est jusqu'avant, on était 2 là, un là, 2 là, la map est relativement symétrique. A l'époque on s'est aperçu que le dragon valait des golds, il valait euh, 190 golds par personne. Donc euh, on s'est littéralement aperçu que c'était le côté le plus important de la carte parce que le baron enfin, il n'y avait pas les mythes, il n'y avait pas euh, le héros de la faille, il y avait le baron à 25 minutes de jeu. Résultat des courses. Cette partie, la, la, la carte est moins intéressante que celle-là. On a créé ça. Ensuite, créé, on a essayé de rééquilibrer Riot en intégrant euh, des, des items, mais il y a eu ce qu'on appelle une méta du swap lane, qui faisait que tu mettais du 2 contre 1 et du euh, 2 contre 1, de manière à push ici. Et à refuser euh, ce qui se passait au bot en 2v2. Ça, c'est ce qui se passe. Déjà, le passage de 2-1-2 à 1-1-1-2, c'est juste qu'en fait, il y a l'équivalent d'une lane de ressources ici qu'il faut la prendre. Et donc, que tu, crées, tu, tu te dis si le côté le plus important c'est le bot, ben en fait, c'est à la top lane que tu prends. Et donc, tu crées le 1-1-2. Et avec un jungler qui va partout et qui permet de jouer. Ça permet en fait de mettre le lien entre les lanes. Et une fois que tu as fait tout ça, tu as des différences qui sont arrivées liées au fait qu'il y avait des soit plein, qui fait que, grosso modo, en plus, maintenant ces tourelles-là sont fortifiées, ces tourelles-là ne sont pas fortifiées. Donc déjà tu as une asymétrie qui est passée ici, alors que c'est censé être à peu près la même chose. Une asymétrie temporelle qui est liée à ces objectifs-là. Et tu as une autre asymétrie, blue, ride, euh, blue Side, Red Side, qui est liée un peu à la caméra, mais qui est liée aussi au fait qu'avant la map était non symétrique. Les buissons étaient pas les mêmes. Il n'y avait pas de tribush ici. Là, tu remarqueras que c'est pas exactement la même chose. Les entrées sont pas les mêmes. Et ça te crée un avantage très fort pour le Red Side, en Counter-Pick au top, et d'autres avantages en Blue Side. Le simple fait que quand tu piques, ça fait 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un jour j'aurai un pad et j'écrirai bien, je vous jure. 9, 10 veut dire que le blue side il est avantagé avec le premier pic, le red side il est avantagé avec le dernier pic. Ça, ça a beaucoup d'impact sur la manière dont la carte est impactée. C'est une autre différence que tu as. Et après, ces objectifs-là servent à speed push, ces objectifs-là servent à s'ouvrir des conditions de victoire. En fonction de ce que tu veux jouer, ça joue différemment. Mais maintenant qu'on est coincé avec la duo lane au bot. Parce que double jungle, ça ne marche pas vraiment. Tu ne peux pas faire du 1-1-1-1-1. Et mettre 0, c'est des stratégies que Riot a détruites. Donc tu ne peux pas faire du 0-2-1-2. Euh, ça ne marche pas. Résultat des courses, quand tu, quand tu regardes, tu as deux symétries qui sont à prendre, et c'est pour ça que tu crées des cadrans. Et que le blue side-red side dépend en fait de ces symétries-là. Dans le sens où à partir du moment où tu choisis ta bot lane à ce niveau-là, avec la top lane. C'est une lane qui est très dépendante des counter picks. Et bah en fait, le fait d'avoir le 10 est important pour le red side. Donc quand es red side, bah la top lane est avantagée. Et accessoirement, euh, le fait de en blue prendre le first pick, ça veut dire que si t'as un pick qui est très fort, mettons au oh, pif les jungle, et bah tu peux le prendre en premier, donc ça avantage le blue side. Ça dépend un peu des méta, mais généralement le red side est avantagé parce que le red side est counter peak et que League of Legends, ça reste un jeu où. Si t'es devant sur ta lane 99% du temps, tu gagnes. Et c'est une histoire assez euh, rapide de... hop, pardon. Hop, j'ai tourné. C'est une histoire ra rapide de tout ce qui se passe. Il n'y a que Bardinette qui arrive à être instant sur la top lane. Je l'ai face une fois et je ne veux plus jamais te recroiser en game, Bardinette J'ai joué tout seul C'était terrible il testait une strate et en fait la strate c'était de plus être euh sur la top lane et moi ça m'a fumé. <laughs> et c'est ce qui explique globalement le fait qu'il y ait des avantages blue side et red side, c'est que les maps sont pas symétriques parce qu'il y a quelqu'un qui choisit en premier son champion et que pour mettre un objectif sur la map à moins de le mettre au milieu de la rivière et d'avoir une symétrie parfaite comme ce que tu peux avoir dans Starcraft sur les cartes, tu n'auras pas la même chose. C'est ça qui se passe. Question suivante. Euh, je vais vous enlever la carte pour que vous puissiez voir. Hop. Oh le vache. J'ai encore hâte de t'entendre lire mon pseudo. Oh, t'en as mis deux à la suite Oh Oh, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Euh, parce que je ne vais pas reprononcer ton pseudo, c'est la suite. Euh... Alors, j'ai trois patterns dans mes games. Les games où il y a trois nouveaux joueurs plus deux anciens. Les games où il y a full bronze dans les équipes, les anciens en face. Et les games équilibrés. Et je suis silver, je joue surtout des normales parce que je tifte trop. Je ne comprends pas pourquoi je joue autant avec des nouveaux joueurs. Que se passe-t-il avec ma MMR parce qu'elle n'a pas changé du split alors que j'ai eu 61-63% de winrate tout le split C'est dans la tête. J'ai un problème, c'est qu'en ce moment, je lance beaucoup de normales. Parce que je pas le temps de jouer autant en enquête, parce que je suis fatigué de sortir de 6 heures de stream ou 3 heures de record de vidéo, ce genre de choses-là. Donc, j'ai je pas je de mal. Je joue des normales et j'ai une certaine tendance, c'est que les comptes en face de moi, ils sont entre level 5 et level 17 et ils m'éclatent. Euh, donc, euh, j'ai posé ce, 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 ce problème. Il est de retour. Ouais, exactement. Euh, j'ai eu ce problème. Le niveau que tu vois n'est pas nécessairement le niveau que l'algorithme voit. Quand tu joues en normal, quand tu joues en flex, le jeu a tendance à privilégier le fait de lancer une partie au niveau que ça donne. Parce que en flex, notamment si tu joues dans des équipes déséquilibrées, et c'est fait partie du jeu, tu vas avoir des games où sont plus forts que toi, des games où sont moins forts que toi. C'est pas grave, c'est normal. Euh, quand tu es en normal, ça peut être un peu différent parce que la question c'est est-ce que les gens jouent for fun Est-ce que les gens euh, jouent Pour poser des questions, c'est très simple soit tu les poses dans le chat et à l'intéressante, j'ai déjà fait une heure de réponse de questions au chat soit tu vas sur mon Discord et tu vas dans le la que question lobby et c'est pour le prochain lobby. C'est à peu près ça que ça se passe. Je vais refaire une petite session à la fin, euh, bien entendu, pour, euh, pour les questions parce que je sens que là vous, vous, vous en avez pas assez. J'ai encore deux heures à tenir. Oh, la SMR! Euh, mais du coup, là, c'est un peu dans ta tête, mon ami euh, Wayosak. Ou Head of Human Resources, quelque chose comme ça. Ou Virtual Basics, euh, Curix. Comment on pose une question? C'est une question, tu as réussi. Bien joué pour la réponse, elle est pas mal non plus. Miel Pops, non pas la pub. Euh, D'ailleurs, tu t'es rename. Euh, bon. Euh... Bonjour Riva, Léla Riva. On se demandait quand et dans quelles conditions aider son jungler en tant que top laner. Si on est raid ou blue side, selon le jungler, selon la difficulté de son matchup ou encore autre chose. J'espère que tu t'amuses sur ce lobby un peu différent. Ouais. Euh... Tes coucou Azura, on se revoit pour la prochaine. Tu vas voir sur YouTube. Merci. Euh, pour Miguel Pops. <laughs> Quelle est ta question C'est quoi vos question <laughs> <laughs> Quelle est ta région préférée d'une terre? Pourquoi c'est Bill Johater? C'est Shurima ma préférée. Parce qu'en design c'est trop cool et. Shurima! Miel Pops, euh, donc on en revient. Euh, la règle c'est si ton jungler invade, il doit faire gaffe à toi qui as la priorité. Si ton jungler se fait invade, tu t'en fiches, tu vas le défendre. Sauf si vraiment euh, il joue sur le side où il est censé se faire une invade, ce genre de choses là, mais si tu dois défendre ton jungle, tu peux in ta lane à défendre ton jungle, la plupart du temps ça sera rentable. Et... Oui, si tu fais du plus 35 moins 15, c'est parfaitement normal que tu tombes contre des gens plus forts que toi, parce que le jeu identifie que tu es plus fort que ton niveau, donc il te met à ton niveau et quand tu gagnes, il te donne beaucoup de LP, et quand il perd, quand tu perds, il t'enlève beaucoup moins de LP parce qu'il considère que tu, tu as du rattrapage à faire sur tes games. C'est ça qui se passe. Ah, Zilean qui a utilisé sa Zilea Riva qui a utilisé son. son, son truc pour euh, rewind le temps et me mettre une question trop longue. Celle-là, je l'ai vue. <laughs> je l'ai vue. Alors comme ça on manque de questions. Et en plus tu te moques de moi. Shurima, ton Lelariva et de retour! <laughs> ah, si je, si je pouvais la faire en IA, celle-là, je la ferais. <laughs> S'il y a quelqu'un qui a une IA de Azir qui traîne en, et qui est enregistrée, franchement, <laughs> ça serait incroyable. Euh, je vais te rassasier sur plusieurs saisons de mes pics exotiques. Oui, j'ai demandé des questions, donc les questions sont longues. Euh, C'est absolument terrible. Euh... Avec mes piques exotiques, qui demandent un avis objectif. J'adore mettre des trucs où ils ne devraient pas être. Très mauvaise idée dans la vraie vie. Hein. <laughs> Et il y a pensé. Je parle des champions sur des rôles, bande d'adorateurs d'Evelyn Ah, j'adore ta question. Donc voici une liste d'idées folles qui ne fonctionnent pas, car c'est moi qui suis mauvais. même peut-être auras tu un avis éclairé. Pourquoi ça pourrait marcher ou non? Cogmo à mid ça marche. Jarvan top. Chut, c'est moi qui le joue. J'ai 90% de win rate -right avec. Je te jure, Jarvan top, c'est un pic. Euh, Briar top, ça marche bien. Elise top, non, ça, ça marche pas. Euh, c'est, Ça a du mal. Euh, Zilean mid, cœur, j'ai vu ce que tu as fait et euh, tu seras sur le wall de Shriek pour euh, cette, euh, cette tentative de placardage de Zilean mid. Euh, Zac support, Sion support, oui, bien sûr, les deux sont forts. Sion AP support, non, Nidalee support, oui, ça marche. L'Elariva streamer Bien joué! <laughs> Évidemment, tu n'es pas obligé de répondre en une fois, ce serait dommage de manquer de sujet la prochaine fois. Tu sais, j'en suis à deux heures. <laughs> ça devrait bien se passer. Ah! Les runes pénétration de la S3 ne te manquent pas? Non? Euh, oui, alors le 30 à 4, c'est normal, c'est OBS qui n'a qui pas la même numérotation que Windows. Si vous commencez par un numéro 4, il fera 4, 40, 41, 42. Et ensuite, à 49, il passe à 5. 50, 51. Donc là, on est à 40, hein, on avance. Bonjour, à quel moment c'est worth de compléter un objet quand on recherche seulement les effets que procurent ces sous-items quel le Morello et son Antille, par exemple, ou juste Pam les codex de CDR Merci d'avance. Soyons très clairs. C'est, euh, vivier Viegotop, euh, pas très fort. Viegomid, oui. Parce que Viegomid burst les gens. Là, au Viegotop, c'est un peu plus dur. La plupart des gens vont être capables d'être très, très forts. Euh, pour Morphe. Euh, Riot l'a dit, euh, ils ont tendance à essayer d'équilibrer les items de manière à ce que quand tu as un composant qui coûte 800, 900 ou 1000 et tu l'achètes pour ce composant, lanti il en fait partie, euh, tu veux pas avoir un item puissant derrière, donc sur un 6 items c'est moins fort, mais que t'es un item quand même, donc en général c'est à la toute fin. Euh, pour les bouquins, euh... très simple <laughs> Pourquoi tu achètes enfin, acheter 10 d'Ability Ace, le plus facile c'est d'acheter des codex. Donc, tu achètes 5 et ensuite tu les transformes au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a des builds. Gragas, c'est euh, bonjour, je vais acheter des livres. Parce que je suis un ivrogne, euh, mais euh, c'est bien, ouais, j'achète des livres. Euh, Runan sur Feli aussi euh, quelqu'un qui le build, moi, toujours, en arame. Euh, c'est un peu plus dur, mais c'est comme ça. Question suivante de la part de. Da -da -da, dioxy de carbone ceux qui l'ont dans le chat s'il vous plaît. <laughs> Bonjour, j'aimerais savoir en tant que main sup, j'ai des situations où mon jungle demande à m'aider à faire les objectifs ou bien un invade de la jungle adverse, que ce soit top ou bot side, mais il arrive très fréquemment que mon AD meure pendant ce laps de temps d'une minute ou deux. <laughs> Ça c'est courant. Euh, mais donc dans l'équation, que faut-il privilégier Les objectifs, mettre bien son jungle ou bien se mettre son AD à dos et risquer d'avoir un AD ennemi demi un peu fed. Normalement. Euh, normalement. Quand tu joues ça, euh, quand tu roams, il faut que tu roams à un moment où ton ADC puisse faire. C'est-à-dire quand il est en train de se faire freeze, eh, c'est un peu dur. Mais tu as le droit de roam en tant que support et c'est à ton ADC d'apprendre à gérer. Ce que tu dois faire, c'est être de retour quand ton ADC se fait crash des grosses waves et va se faire dive. Ça, c'est ton job. Sinon, tu es un support. Ton ADC, ça se passe pas très bien. C'est pas grave, tu peux toujours aller aider ton top laner qui fit pas, ton jungler qui carry ou ton bait qui carry. Enfin, moi, je dis ça. Yumi ne fait juste que véritablement mettre en avant ce que les supports pensent tous. Je suis sur mon AD, quand ça m'arrange, c'est ça que tu dois jouer. Et oui, c'est CO2 pour ceux qui l'ont pas. les Irelia Riva. Bonjour, Irelia. Bonjour, Lela Riva. Je joue i r e l i a n i d e T-J-E-M... Je comprends pas pourquoi t'écris comme ça. Euh, je me demande si c'est vraiment viable de, de prendre un Sterak avec le peu de PV présent dans son build. C'est l'éventré et le qui se fait euh, rarement, qui donne un shield insignifiant. Ou est-ce mieux de prendre un Ange Gardien euh, Soyons très clairs, cette... je... je vais te répondre la réponse à, à toutes les questions de l'univers, 42. Tu prends le Sterak quand t'as un peu de points de vie. Tu prends le Sterak quand tu veux jouer avec des Mercures et avoir de la ténacité. C'est à ça que sert le Sterak. Et oui, je suis à la question 42. Mais j'en ai fait avant. Mais c'est la question numéro 42. La chance Ah, oh bah ça, c'est une question, que je l'ai bien aimé. Euh, yop, le l'Arriva. Je commence à main casse santé top. Et quand je regarde les stats des items, personne ne fait hors-style. Ça serait du troll de le faire car j'adore cet item. Il monte en puissance à la fini pour le late. Je trouve ça sympa. Euh, question de la suite. Euh, en fait, K-Santé n'aime pas leur style parce qu'il reste pas près des gens. Voilà. Et que tous les autres items sont bien plus efficaces sur lui. Ah non, j'ai pas déjà fait 42 questions en 2 heures. Je fais, je fais pas, 42, je fais pas 22, 21 questions à l'heure. Hein. À un moment donné, je vais un peu plus vite que ça. Moi, je me fais flasher pour les questions. Bonjour, monsieur les policiers. Et surtout, en fait, il a des ratios d'armure et de MR partout. Tu joues PV après avoir joué Armure. K-Santé, c'est... <laughs> uh, attention, Danger Zone. Uh, Excusez-moi, les amis. Uh, attention, attention, attention. Je vais dire quelque chose d'extrêmement... Ça va être... Ça va être extrêmement dangereux. K-Santé fait ce que fait notre ami Malfit. Et notre ami Galio mais les deux à la fois. Il peut jouer full mère et full armure et ça marchera. Je sais, c'est un avis. Je sais, c'est un avis. C'est un avis extrêmement clivant. Euh... Mais en mieux. Et ouais, en plus. Ouais, vraiment, quand je vois qu'à santé et mal je fais ouais. Malfit au moins, ça engage. Hein, parce que sinon, tout le reste, je pas. Sachez que j'étais sur ma carte officielle de test de light. Oui. C'est une vraie anecdote. Euh, alors, est-ce que j'ai répondu à ta question Ouais, non, c'est bon. Ipasdos, OTP Swain <laughs> Tu m'as vraiment mis des messages partout, toi <laughs> Je suis OTP Swain, je voulais savoir si tu as regardé ces changements et que tu en pensais en plus de la création d'un guide sur ce champion. On en a déjà parlé en question, on en a déjà parlé euh, dans la vidéo, on en a parlé sur mon Discord, on en a parlé en commentaire. Celle-là je pense que j'y réponds pas, j'y ai déjà trop répondu. En gros, oui, j'en ai parlé, non, je ferai pas de guide tout de suite. Ah ça, ça sait faire ça, Photoshop. Ah rigolo. Euh, salut On en parle de l'orgueil est plus forte que l'ancienne épée occulte. HTTPS, League of Legends, Fandom.com, Wiki, Sword of the Occult. Penses-tu qu'ils font hardnerf euh, qu le Medjai et l'Orgueil J'ai hâte de voir les smurfs abusant de ces deux objets. Et oui, j'ai décidé de faire une grosse pause suite à cela. C'est encore une take. Euh, L'Orgueil est moins forte que l'Épée Occulte, parce que l'Épée Occulte, on l'a supprimé, parce que c'était forte. Et accessoirement, euh, ils vont pas hardnerf le Medjai et l'Orgueil, qui sont dans des spots assez intéressants pour snowball. Ça doit être des opportunités intéressantes pour que le jeu soit... Sympa. Si on ne met pas sur ces choses-là, ça marche pas. Et tu ne vois pas assez de Smurf. C'est pas ça. Euh... Coucou, j'ai une question. Es-tu pour ou contre pour contre le fait que Games cherche à garder leur vision des champions dans les builds Par exemple, Atrox et Létalité. ils bah, ne sont pas très contents quand Atrox est Létalité en général. <laughs> ils ne sont pas très contents quand Atrox sustain trop, Ils essayent de le maintenir au milieu. Euh, moi je suis pour que Riot maintienne une vision des choses parce que sans vision le jeu va mourir. Comment est-ce qu'on peut stabiliser un champion de poule Je l'apprends en passage parce que c'est vrai que vous n'êtes pas si nombreux que ça à, à poser. J'arrive pas à rester sur les mêmes et je me lasse vite au point de... Avant d'être top, j'ai fait tous les rôles et je peux dire que je suis passé par Gnar au début, les Juggernauts, avant le début d'année, jusqu'à août. et Je comprends Je ne prends du plaisir qu'avec Gnar, Kennen, Camille, Kassanté. Donc tu prends du plaisir avec une peluche, une peluche électrique, Camille, donc des ciseaux partout et Kassanté, un tas d'abdos. Euh, c'est pas mal. Joue les champions qui te plaisent. Euh, le champion de pool, en général, tu vas voir que tu vas avoir un ou deux champions qui te plaisent. Ce qui est important, c'est de ne pas en jouer 25. Si tu joues 25 champions en une game, ça va être dur de progresser. C'est ça qui est dur. Euh, Zandan, euh, si ta question n'a pas été reprise, repose-la sur le Discord ensuite. Je suis désolé, il y en a beaucoup. Ou recopie-la moi juste après que j'ai fini la 58 huitième Yukida Pourquoi je l'ai prononcé comme ça, je ne sais pas. <laughs> désolé. J'ai un, un restaurant que j'aime beaucoup, un japonais, qui s'appelle Yuki. Donc, Yukida Ça doit être ça. 25 ans, 25 games, c'est dommage. <laughs> Salut les Larivages une question qui me travaille depuis un moment. Bien. Aurais-tu une explication sur la disparition de Maokai Kotoné un rôle de support alors qu'il n'a rien envie à des picks top et jungle comme Horn et Sejuani Avant de jouer longtemps, le perso au top par le passé, sa disparition est un mystère. Il euh, faut savoir qu'il y a des gens que je connais qui ont à l'époque, jouait des LANs et gagner des LANs avec des gens qu on, qu on, dont on n'a jamais entendu parler, genre Karim KT, hein, euh, qui jouait Maokai Top à l'époque, et, en... et Karim Top, ces deux champions sur lesquels je ne comprends pas pourquoi ils ne reviennent pas euh, Top. Ouh. Soyons très clairs. Euh, Maokai, ils en ont parlé il y a trois jours du côté des équilibreurs de Riot Games. Ils aimeraient euh, mettre Maokai Top. Le souci, c'est que Maokai Jungle est tellement fort en pro en étant understat, under win rate tout qu'ils ne peuvent pas lui donner beaucoup de puissance en support et au top. Et c'est ça le problème qu'ils rencontrent. As-tu une take sur les OTP Oui. 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 Ma take, c'est que j'ai bossé chez OTP. Voilà. <laughs> c'est ça ma take. Et c'était bien. Euh, non, les autopus, très bien. Euh, c'est un style de jeu en particulier. C'est pour ceux qui ont pas le temps ou ceux qui aiment particulièrement un champion. Pour ce qui est de Horn euh, de, de notre ami Maokai, j'attends Riot. J'attends vraiment, vraiment, vraiment que Riot arrive. Je pense à un champion qui mérite d'être top. Et il faut trouver le moyen de le virer de la jungle. Je pense que ça passerait par un rework en enlevant les saplings. Maokai, c'est un champion qui est foncièrement créé en étant un tank qui engage. Et les saplings, c'est du contrôle de vision. En fait, tu enlèves le contrôle de vision, Maokai devient un tank initiateur très fort comme rel. Donc il faut lui rajouter un spell qui permet de faire ça. Donc probablement que c'est ça qui permettrait de le revenir. Deuxième question, main mid et stack bot en deuxième rôle pour jouer quand même des mages, ne pouvant pas jouer à un ADC classique. À cause de mon poignet qui me fait mal quand je hit ten run. Mon ami, soigne ça tout de suite. Si ton poignet te fait mal comme moi, il faut trouver la raison. Euh, il faut qu'elle soit bonne, parce que si tu es en train d'abîmer ton, ton poignet, là il faut changer probable, il faut regarder ton ergonomie, il faut regarder la, le poids qui soulève, il faut regarder les efforts que tu lui mets, les temps de repos que tu vas lui donner. Hein. C'est quelque chose de, de, à prendre en compte. Je m'arrête là-dessus. Pour Ekarim, je ne sais pas. Euh, sinon, effectivement, vous changez le poignet. Je dois avoir, un, je dois avoir une cuillère quelque chose, parce que pour couper un poignet, une petite cuillère c'est pas mal. Mais seulement, je me fais flemme par des fast drive, je des second rôle, continuez bot et m'en foutre des autres. Euh, les champions en question, Aurélien, Anivia, Séraphine, Ziggs et Vegar. Continuez à jouer AP, je passe mon temps à dire que les AP c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus facile à jouer au bot. Si vous verrez le nombre d'assassins AD qui seront mid, qui seront très contents d'avoir un AP bot Si. <laughs> J'ai la rêve de la petite cuillère. Eh ouais. Tu vieillis, t'es qui là T'es <laughs> Tu m'as eu. Tu m'as eu. Euh, pour la question sur les shorts vidéo sur Echo, ça arrivera peut-être un jour, je ne sais pas. J'essaye de faire tous les champions, mais il y en a beaucoup. Dessac Shogariva. Elle est pas mal. Saltation Vosjeur. Il est où, notre ami Dessac Ah, mais non, j'ai quand même. Tout fini. Euh, petite question qui, je pense, serait plus un rappel utile pour moi et d'autres. Est-ce qu'il est possible d'expliquer la courbe de variation des LP Si je ne me trompe pas, si on trouve dans la division correspondant à notre niveau de jeu, on devrait avoir aux alentours de 50%, chaque défaite victoire ajouterait autant de LP. Oui, ça marche comme ça. Et du coup, à partir de là, si on est au-dessus en termes de win rate, 60%, avec par exemple du 23 pour les défaites mais du plus 28 pour les victoires, ce qui est mon cas, toutes mes félicitations, euh, est-ce qu'il est possible d'estimer la division qu'on est censé atteindre Ou les formules de calcul n'ont pas été dévoilées par Riot euh, voilà pour ma question un peu mateuse et pour le travail, il y a plus en ligne. En fait, c'est un peu dur. Euh, c'est un peu dur. Euh, alors, je vais sortir mon stylo. Merci. J'ai même mon micro qui veut. Ah, on joue à Jeu là. <laughs> ah, on joue à Jeu là. Je vois. Je vois, je vois. Bon, en fait, quand tu regardes ton win rate, c'est ton niveau. Euh, ton niveau, il est checké par rapport aux adversaires. Le... Il faut te dire que ton plus 28 moins 23, c'est une capacité à tirer une corde. Quand tu montes ton niveau, tu vas pousser ton niveau vers le haut. Donc, tu tires sur une corde. Et la puissance que tu mets dans la corde, c'est à quel point tu vas faire plus 28. Si tu tires plus fort, tu fais plus 32. Si tu tires plus fort, tu fais plus 35. En fait, ce que fait Riot, c'est que... En gros, tu vas jusqu'à plus 28, 35, je crois, c'est le truc. Et ils vont diminuer le nombre de P que tu perds. Ça va faire euh, moins 4, au moins, ce genre de choses-là. Et euh, parce que sur un grand nombre de games, c'est le nombre de games que tu dois gagner en moyenne. Là, si tu fais... Mettons, si tu fais plus 35, moins 4. En te disant que tu vas te retrouver à... À gagner une game et à perdre une game, en fait sur les deux games tu as fait plus 31. Donc Riot te dit, ça c'est des statistiques, tu dois faire plus ennemis par game. Quand tu te mets à, à gagner et que tu dis en fait mon win rate il commence, il est à 50%, là je le passe subitement à 60%. Tu dis Riot, je tire de plus en plus fort sur la, euh, sur, sur la corde et je commence à pousser mon elo, mon elo prend de la vitesse. Et oui, on va faire de la physique pour les LP parce que c'est exactement des lois de Newton et des bilans d'énergie. Quand tu arrêtes de pousser, c'est-à-dire que tu reviens, quand tu arrêtes de tirer, quand tu reviens à 50%, tu enlèves cette flèche-là, mais tu emmagasines de la vitesse, donc en fait ton hélo va continuer à augmenter quoi qu'il arrive. C'est ce que tu sens et ce que Riot va faire, c'est faire diminuer cette valeur par niveau jusqu'à arriver à 0. Grosso modo, tu dis qu'à partir du moment où tu arrives à 50, tu as un ou deux levels de plus. Euh, tu as un ou une, une ou deux divisions, tu peux te dire. Tu vas les avoir. Plus, je sais pas. Mais le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que ça ne marche pas exactement comme ça. Tu vas démarrer comme ça, tu vas rester à 60 pendant un moment, et ensuite le jeu va commencer à être de plus en plus fort pour toi, jusqu'à ce que tu arrives aux alentours des 48% de win rate, qui est un peu en dessous des 50%. Et le jeu est équilibré pour 48% de win rate. De manière à ce que quelqu'un qui joue juste va réussir à remonter à son niveau à, 45, à 48% de win rate. Et donc, c'est pour ça que tu retrouves avec des plus 25, moins 23. De manière à ce que là, là, si tu rajoutes les pourcentages, ça fonctionne comme ça. Et la décélération que tu vois là en win rate, Riot essaye de l'attraper le plus vite possible de manière à ce que ton niveau réel colle le plus vite possible à ce que tu fais. Et ce que fait Riot, en fait, c'est Bonjour, tu es là en niveau et en fait ton vrai niveau, c'est là. Riot vont te donner des games de ce niveau-là. Et ils vont te donner un win rate qui te permet de combler ça. Donc si tu es à 50-50 ici, mais qu'en fait tu es largement plus bas en Hello, tu vas avoir un 50-50 où Riot va te maintenir à plus 35, moins 4. Jusqu'à ce que tu rattrapes. Euh, ton niveau, et une fois que tu es proche de ton niveau, tu vas retrouver le truc où ils vont te rééquilibrer à 48%. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de, de dire en fait, tu vas monter au-dessus. Tu prends de l'élan avec ton 60%, mais dès que tu commences à ralentir, bah tu commences à ralentir. C'est comme les gens euh, qui courent, quand ils dépassent la ligne d'arrivée, ils commencent à ralentir, mais euh, ils ont encore une demi-distance de 100 mètres à faire avant d'être complètement arrêtés. Et Riot, ils ajustent ta vitesse à ce moment-là. Désolé pour la physique. Désolé pour la physique. Et je vois que les questions sont revenues. Euh, alors, je vais... Voilà, je vais mettre en pause mon... mon chat à moi de manière à pouvoir les récupérer plus tard. Merci les Larry Prof, le cours. Ah bah oui, hein, c'est pour ça que vous venez. Hein. Vous savez, les Larry euh, vous savez que qu'il n'hésitera pas à sortir la théorie, la théorie des cordes. Si il le faut, la théorie des cordes, j'ai une vidéo pour ça sur les of Legends. vous allez voir, ça va être tirer. J'ai la, th la théorie quantique de la jungle et la théorie des cordes de la jungle. Ça va me faire marrer de dire ça. Euh, là La Forme. Si ce so patch semble indiquer que Riot est plutôt enclin à rallonger la durée des parties. Non. Ils veulent rallonger la durée dans laquelle tu joues pendant les parties. Euh, coucou Farle. Oh, désolé. <coughs> que penses-tu de la pertinence de rajouter l'équivalent du Zephyr pour d'autres bots C'est paradoxalement un des items avec le pick rate le plus bas. C'est normal, il est fait pour être en sixième item et il y a moins de 10% des games qui vont au-delà de 45 minutes. Donc, c'est pour ça que le pick était right très bas. Mais l'idée d'avoir des tabis ou des sorceras améliorés ne devrait pas aller dans le sens de leur raisonnement. Ah, en fait, le Zephyr, ils ont essayé de faire ça de manière à ce que euh, les ADC qui avaient tendance à vendre leurs bottes pour prendre une team qui donne un mousse speed, la data speed, reste et que ça soit plus dans le jeu. Les autres picks ont rarement soit là. Quand vous êtes en AP, la pénétration, vous l'avez pris il y a un moment et vous n'êtes pas en train de prendre de la value supplémentaire. Vous vendez un item et si vous vendez un item, c'est pour avoir de l'AP en plus. Donc il faudrait des bots qui donnent de l'AP et qui donnent plus de pénétration. Une transformation des bots. Et en fait, vendez bottes et achète l'item. C'est la même chose. Euh, les mercures et les tabis. N'ont pas de, de bon item à rajouter dessus, Army ne te rend plus tanky, mais là dans ce cas-là, les tanks vont. T'imagines qu'à santé avec des tabis boostés, <laughs> au secours, euh, pardon, <laughs> ou un Garen avec des mercures boostés, <laughs> t'envoies euh, le plus gros CC du jeu, il appuie sur Z avec ses mercures, il prend rien. Bref, c'est pas comme si ça avait existé l'année dernière. J'ai un bon short qui avait bien fonctionné là-dessus. Et dès qu'ils ont fait ça sur les items, donc euh, des bottes qui te permettaient d'aller plus vite ou de, de gérer ces, ces, ces choses-là, bah d'un coup ça devenait tellement fort que tout le monde les voulait et sont venus le, les bottes de doux foyers qui sont en fait donnés à tout le monde à partir d'un moment. En fait ces bottes là elles existent, elles ont juste été mises à tout le monde de base, gratuit. C'est ça qui se passe. Euh, donc je ne suis pas sûr qu'ils vont rajouter ça, et euh, ils sont pas enclins à rajouter la durée des parties, ils sont plutôt à un endroit où la durée des parties est cool. Elles ne sont ni trop longues, ni trop courtes. Et surtout, quand elles sont vraiment mauvaises, on peut les finir vite. Il y avait rajouté ça. Captain Lelariva, est-ce que le build Suzerain-Couperin-Noir-Earthsteel sur Urgot est bien Oui. 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 C'est couperin noir couperin normalement j'ai euh, vu quand fait le jeu mais je sais pas quoi, quoi penser du build oui euh, urgot aime les points de vie et l'AD en grande quantité avec un coup près noir c'est juste oui ça marche euh, en plus je l'ai mis dans ma méta je crois ça si tu pouvais ajouter une rune dans le jeu elle serait comment déjà répondu une rune d'une ribamboule de poro qui te suit euh, et qui te permet et alors ça c'est autre chose euh, de l'envoyer dans un coin, de checker dans le buisson et de revenir vers toi. Tu peux plus l'utiliser pendant un moment. Et si elle croise un adversaire, ça... Ça fait exploser la ribamboule de poro dans l'explosion que vous voyez en arabe. Et à la fin de tout cela, normalement, explose Ah oh oui, punaise, c'était celle-là, la ref. <laughs> Je l'ai. Et puis, normalement, euh, une fois que t'as fait ça, bah, tu as une rune qui est assez sympathique à jouer. Et on va voir des poros partout avec 10 ribamboules de poros qui se baladent sur la map. Ça pourrait presque être un mode. Euh, Mel euh, Alors, Mel qui est sur la question numéro 8. Parce que là, on est en train de faire les premières questions. Euh, puisque, euh, bien entendu, on a dépassé. Oh là là, je vais finir, il va être 21h. Incroyable. Euh, Mais euh, petite question existentielle, 3h du matin. Le MMR est-il le même entre la ranked et la normale Non, chaque file a ça dans le MMR. Car j'ai environ 6 game en normal draft et je suis dans un hello un peu chelou, genre j'ai une fourchette entre platine et master, alors qu'en ranked j'y joue quasiment jamais solo ou duo. C'est juste ça. Euh, moi quand je joue avec mes amis, euh, le problème qu'ils ont c'est que mon compte... Alors à l'époque où j'étais MRO, des pas plus, où je jouais pas mal en normal, genre il y avait un master en face tout le temps. Ah, c'est un truc. La ribamboule, ça ressemble plus à un sort d'invocateur. Ouais, mais je me dis qu'avoir 10 ribamboules de poro à façon en arame euh, derrière nous, ça serait vachement plus drôle. <laughs> Euh, je continue la question. Euh, je fais des flex avec des amis de temps en temps. Pourtant, j'ai 2-3 fois, j'en suis sur solo queue avec beaucoup de smurfs. Je dois un maxi tryhard ou je me fais juste fumer en lane. Alors, je finis quasiment mes games de classement. Du coup, je retourne en normal. Oui, pour info, je joue fill. Même si je préfère top mid jungle. C'est un peu pour ça quand en, 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 en la différence entre la normale et la euh... la, normale et la flex, vous les mettez dans le même panier. C'est à peu près la même chose à ceci près. qu'en flex, tu vas avoir beaucoup plus de gens qui vont jouer en équipe et t'écraser s'ils ont l'occasion d'aller à 4. Euh, en solo queue, le niveau individuel monte très fort et tout le monde cherche à te battre. Il cherche pas à jouer le champion. Non, ils cherchent à gagner. Et ceux qui cherchent pas à gagner, ils devraient pas jouer en solo queue, ça c'est un autre sujet. Prenez la file pour ce que vous voulez faire. Euh, si vous voulez jouer fun, ne jouez pas en solo queue, vous n'allez pas avoir de fun. Les gens vont vous rouler dessus. Et donc tu vas voir des gens qui ont des phases de lane un peu plus fortes, mais qui vont faire plus d'erreurs parce qu'ils cherchent tellement à gagner qu'en fait ils cherchent à forcer. Et les forceurs, ça va toujours trop loin. Et c'est comme ça qu'on joue en solo queue, c'est en prenant les forceurs et en les punissant. La justice de, ses, de Demacia s'appuie énormément sur les forceurs chez moi. Et c'est ça que tu rencontres principalement. Euh, donc la, la, la question est remplie. Le Urgot Arriva et le, 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 le Ouh, Pas mal. Les jours, les Lariviens, les Lariviennes. Vu que tu manquais de l'élarition, j'en ai plusieurs. Ne faudrait-il pas une refonte de l'anti-heal Déjà répondu, ai... je ne veux pas aller là-dedans. Euh, la question, ça serait, est-ce qu'on ne donne pas lentille à un item de tier 4, un peu à la manière des bottes euh, Donc, euh, ça, on crée un item et en fait, t'as un, tier... un, un tier 3 qui est nul et t'as un vrai tier 4 qui ne fait que te donner de lentille et qui vaut trop cher. Comme ça, en late game, tu pourrais au minimum en full late t'assurer que les tanks ne gênent pas trop. Mais normalement, c'est les ADC qui sont censés gérer ça. Avec la diminution du burst et l'augmentation du tanking, j'ai vu des plays et des games où l'argent était folle et Atrox Volibear c'était int intombable. Malgré des items mentiles, avec un build pour Tariq, la mélodie du sang, Shojin, Fibulvet, voilà, pour avoir du mana et beaucoup de CDR pour spammer les C'est les nerfs qui gèrent ça. Euh, As-tu une idée de pourquoi Argot est passé de S SS euh, au bas à A Probablement une histoire de prédateur, aussi une histoire de. Euh... Alors, pour vous expliquer, hein, quand je dis prédateur, c'est. Euh... J'utilise. J'ai oublié son nom. La loi du plus fort, le survival of the fittest. Euh, le grand scientifique, là Oh là Ah non, je vais chercher ça parce que je peux pas me rater. Euh... Alors, ça, c'est Spencer. Euh... Darwin, voilà, Darwin, la sélection naturelle, exactement. Euh, vous avez, euh, qui, qui peut se dire par survival de fitness d'une certaine manière, euh, Darwin, 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 qui dit, il bah, y, y a des prédatés et des prédateurs. La force dans la solo queue, c'est ta force par rapport à tout le monde, est-ce que tu es un prédateur pour les gens Parce que tout le monde est un prédateur. Euh... À ce niveau-là. Et est-ce que tes prédateurs naturels, les gens qui sont plus forts que toi, sont forts et présents Et tu peux avoir ça à, à, mon, à, à mon niveau dans mes, dans mes tier list. Euh, C'est ça qui, qui peut se, se passer. Et tu, veux, tu peux voir des, des persos fluctuer. Notamment quand ils sont peu joués ou ils sont très sensibles à la fluctuation parce que les stats sont moins bonnes. Barre d'erreur plus grande. Mais je ne vous mets pas les barres d'erreur parce que si je commence à mettre les barres d'erreur. Vous allez tous mourir quand je. Bonjour la vidéo. Alors vous avez 4 heures devant vous Maintenant faut qu'on parle des barres d'erreur en plus Et ça n'empêchera pas les gens de dire ⁇ Non mais Laila, il arrive ⁇ je pense que t'as pas compris à un moment donné, Corky c'est vachement gotier, regarde comment il le joue en, en challenger alors que j'ai expliqué les challengers c'est pas bon um... ⁇ alors Urpork parle d'une crise du build. Il y a probablement un problème de build sur Urgot où actuellement il n'y a pas de build qui est très facile, très fort tout le temps. Euh, Garen a subi cette crise de build en nerfant tous les items où euh, il est coincé sur le même build mais ils sont moins efficaces qu'avant. Euh, et il n'a pas trouvé d'autres builds. Euh, ça c'était quelque chose qui a, qui a été un souci. Que penses-tu d'ajouter un bonus Lelariva dans le jeu en montrant notre apparence, notre appartenance Allez, ah, Larry City. Oui, bon, ça, ça veut dire faites des armes avec moi. Euh, Penses-tu que Riot devrait prendre open leur système de matchmaking, MMR, et pas niveau code, mais permettre aux joueurs de comprendre comment ça fonctionne Justement, ils ont fait ça. J'avais fait une vidéo euh, où ils parlaient sur True Skill 2. Et euh, là, c'est plutôt pas mal. La question, c'est ce qu'ils veulent faire de l'IA Regarde, les Larry Vac à santé, c'est pic ou ban Pro Ouais, et tu perds en bronze avec. Ouais, c'est exactement ça mais de permettre aux gens de comprendre comment ça fonctionne, ça éviterait les théories sur les losers queue, et autres, les larillements, les et à la l'arichène. L'élarisoire Les à la l'arichène. C'est dur à prononcer tout ça. Euh, J'ai réinventé le schtroumpf avec les Pardon. Ils ont réinventé le schtroumpf, mais avec les lariva. Je savais pas, quand j'avais 13 ans, en choisissant mon pseudo, que ça créait ce genre de problème. Non. Parce que. Euh... Alors là, on va être sérieux un petit moment sur. Euh... Pourquoi faire de la pédagogie, c'est bien pour enlever les problèmes. Quand vous faites de la pédagogie, vous, en, vous allez convertir des gens qui euh, sont contre l'idée à neutres ou neutres pour l'idée. Faire de la pédagogie, c'est super important pour contrer les fausses vérités, les fake news, ce genre de choses-là, parce que la désinformation, euh, c'est extrêmement grave. Ben, c'est quelque chose que je croise dans la vérité scientifique. Euh, là, on va te faire un tout petit peu de politique rapidement. Il y a des gens qui disent que le... la Terre est plate, que le réchauffement climatique n'existe pas, ou euh, qu'ils sont capables d'être plus forts que la loi de la gravité. Non. La loi de gravité te rattrapera toujours, quoi que tu fasses, à moins que tu t'opposes à son énergie. C'est une loi de la physique. Il y a des gens qui disent ça. Donc, ça, c'est un problème qu'on a et qui reste malgré le fait que ça, ça soit des lois qui soient relativement acceptées. Enfin, le, le type qui te dit je vais sauter, je retombe pas au sol, bah, il a tort. Pourtant, il y en a qui le feront. Il y aura toujours ces gens-là. La fameuse énergie infinie, voilà. Il y aura toujours des, des, des gens comme ça. On diminue la proportion de gens qui font ça en, faisant, euh, en expliquant les choses. Donc, ça, c'est assez intéressant, mais ça n'éviterait pas les théories euh, bizarres, ça les diminuerait. Et il y a aussi des biais qui sont très humains, qui sont de dire j'ai pas réussi, c'est la faute de l'autre. Et ça, je les traite au moins dix fois par lobby d'une manière ou d'une autre. Les joueurs de LOL ont besoin de cours d'épistémologie. <laughs> Joli, Paul Dico, je sais de quoi tu parles. Et oui, ça s'appelle la limite. La... C'est la limite du discours scientifique et il y en a. Et euh, l'épistémologie thé... enfin, des sciences c'est un sujet qui est fascinant pour ceux qui sont scientifiques et euh, qui... surtout sur Twitch, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là tout de suite. Mais non, euh, ça n'envêcherait pas les théories sur la Losers' Queue parce que ça c'est juste euh, c'est une théorie du complot. Les théories du tout complot c'est très facile à mettre en place. Euh, par contre il y a la Prison Queue. Ça, ça, ça existe maintenant, ça s'appelle être sorti de la ranquette et être mis dans des normales et être obligé de les gagner. Bah ben voilà, les océans c'est une faille transdimensionnelle vers le néant et en jean fils tu les découvert Et tu peux te battre en faisant un robot qui, quand tu calcules la force qu'il a sur son pied, il n'y a aucun matériau au monde capable de tenir ça ah j'exagère peut-être un peu, mais. Yeah, C'est un peu l'idée. Comment ça? Un robot qui décide de sauter et d'atterrir et qui fait 100 mètres de haut. Alors, vous avez quoi comme acier? Parce que. Enfin. Ça s'écroule pour un peu moins que ça. On fait enfin sur les tours à son hôte, mais on les fait pas sauter les tours. Tu vois ce que je veux dire. Pacific Rim. Joli bar d'arriva, je ne commenterai pas ce que tu as dit. Elle Rival et, et l'arriva, comment tu arrives à... Très bien, Nightwolf. Question numéro 1. On a fini les questions. Il est 20h40. Waouh À votre tour. <laughs> Alors, on reprend Zamdan <laughs> Et il était prêt <laughs> Bon, je reprends euh, Zamdam parce qu'il en a posé une ou deux que j'ai pas laissé. OTP Viegomid. Très bien. Aurais-tu des conseils pour jouer contre Leblanc et Akali Malheureusement non, tu es OTP Viegomid. C'est comme quand j'ai cherché pour jouer Jarvan Top. Combien de joueurs de Jarvan Top il y a sur le serveur quoi je, je, je suis legit, je, je, crois, je, je crois que je peux chercher, et, et Jarvan Top, si j'avais décidé d'être le top 1 en Europe, c'était trop facile. J'étais déjà en D-Win top 2. Du coup, j'étais le meilleur Jarvan Top du serveur Bah, <laughs> bah Viegomit, t'as un peu le même problème. Euh, t'as véritablement le même problème. Et... Euh... Grosso modo, le blanc va toujours te et Akali aussi, et il faut vraiment réussir à les surprendre sur un dash -in un peu mauvais, mais c'est des champions qui vont avoir l'initiative sur toi. Akali, euh, je vois pas comment te, tu peux la gérer, parce qu'elle a trop de dash et trop de moyens de gérer ton stun. Euh, elle prend des agressions en lane quand elle veut, mais je n'ai aucun, mais vraiment aucun moyen de répondre. Pour Akali, j'ai quelques réponses, mais une fois arrivée en mid-game, elle est largement plus utile que moi, elle peut me 1v1 Oui, c'est ce genre de problème que tu vas croiser. Et, mais c'est normal. Euh, T'as vu pas mal de TP aéri jouer Ail of Blade en ce moment euh, Je t'avoue que je comprends pas trop la logique et c'est fort pour toi. Bah, disons que c'est un champion qui a beaucoup d'AD, euh, qui a pas nécessairement besoin de jouer l'early game, et qui quand elle arrive au corps à corps, il lui manque souvent quelques autos pour tuer, donc je peux éventuellement comprendre que tu veuilles jouer euh, pour avoir ce petit supplément de DPS qui te permet de reset. Moi j'aime bien l'idée. Euh, et ça c'est assez simple. Est-ce que tu as déjà pensé à faire une tier list ou classement des champions flex full team Ça peut être intéressant. Ben pour ça, je vous demande. <laughs> euh, ça s'appelle la tier -list, euh, ça s'appelle la méta que nous font absolument tous les commentateurs d'e-sport à tous les patchs. Parce que ce sont eux qui jouent à ce jeu-là, je ne suis pas compétent à le faire. Je ne le ferai pas donc. Je vais essayer d'être euh, un peu raisonnable. Je m'avance sur des sujets qui sont déjà bien complexes et où je maîtrise pas tout. J'essaye d'éviter d'aller euh, là où je peux vraiment pas. Bon, maintenant on reprend les questions que vous avez ici ce soir. Si ça se tarie, on sera tranquille. Que penses-tu du changement en 3 split Personnellement, je ne joue pas assez 10 à 15 ranquettes par split. Euh, je ne joue pas assez 10 à 15 ranquettes par split et je vois moins l'eau descendre parce que, avec le reset de l'eau, je ne fais pas assez de parties pour remonter. Je suis passé en une année de émeraude à d'abron. Je déprime un peu du nombre de games pour remonter. C'est un des problèmes que j'ai avec euh, le système à 3 split et des hard resets tu dois jouer en ranked pour jouer tu joues 10 à 15 ranked en fait euh, le souci c'est c'est pas ton elo le souci c'est pas ça tu, 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 tu cherches à, tu me dis je, suis, je fais du tennis je fais 3 matchs compétitifs dans l'année et tous les ans en fait on me remet à c'est du 40-0 je crois le, le plus bas bah oui tu joues juste pas assez là t'es plus là dessus t'es vraiment plus là dessus et tu déprimes à l'idée du nombre de games pour remonter Oui, c'est ton investissement dans LoL. Est-ce Est que tu veux mettre beaucoup de games dans LoL ou pas euh, Moi, j'ai un problème à rester à haut niveau et à voir si j'ai en fait, un Master 600 LP et je l'ai dans les mains. C'est qu'en fait, il faudrait que j'arrête de faire des vidéos euh, pour voir si je l'ai dans les mains en montrant correctement. Mon investissement, j'ai décidé qu'en fait, vous ne me verrez jamais très haut et Enfin, Pour moi. Euh, parce que juste, euh, je vais rester en bas. Je joue pas assez. Pas dans les bonnes conditions. Euh, je voulais savoir si tu as un doc avec des checks à faire comme CS par minute, mais moitié voire qui n'est plus utilisable pour les nainers qui farment. Euh, oui, j'ai pour les gens que je coach, j'en ai un. Custom, euh, ils rentrent leur truc et ils peuvent suivre et c'est relativement bien fait. Euh, mais non, il n'est pas disponible pour le moment. J'étais un OTP Wukong, mais j'ai complètement perdu l'intérêt pour le perso suite au retrait du pourfendeur. taurais tu une idée de comment contourner ce souci J'ai le même problème, moi j'étais un fan de l'ancien Wukong, euh, qui je trouvais assez simple et assez bon, et en jungle j'aimais beaucoup. Et avec le pourfendeur, je trouvais ça assez cool. Et là, Wukong, je trouve qu'il a des problèmes, c'est d'ailleurs pour ça qu'il va être buff. Mais je pense c'est une histoire de puissance. Euh, Thomas B, j'ai déjà répondu, je ne sais pas, ça viendra quand ça viendra. Echo, euh, enfin. Euh, il y a 50 champions par lane. Ça fait 250 champions. On... Et il y en a un peu plus sur certaines lanes. Il y en a un peu moins là. D'ici pour ça, on met 50 en, 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 en personne. Par an, j'ai. Je suis capable de faire à peu près tous les champions. Et j'essaye de. Le souci c'est quand il changent globalement le jeu, j'essaye de refaire tous les champions très populaires d'abord. Parce que je cherche à aider les gens. Euh, véritablement hein, le, le but du jeu ça fait du chiffre mais c'est aussi aider les gens et j'essaye de vous montrer une chose sur ma chaîne notamment en short c'est vous pouvez jouer des builds un peu différents c'est pour ça que je vais chercher les autres je peux pas faire je vais chercher des builds différents pour vous montrer jouer vos builds c'est pas très grave vous pouvez montrer très haut avec c'est ça qui va se passer. Echo, ça viendra probablement un jour. Il faut peut-être que je crée un système de bucket où genre, tu peux voter régulièrement euh, pour ton champion et tu peux remplir le bucket et dire et, et, et faire ce que font certains sur les. Vous voyez les vidéos de compile, euh, genre les cachets et compagnie, 350e jour de la demande pour avoir une vidéo de time change crit. faudrait que je crée un système comme ça et qu'il y ait moyen. Globalement, tous les gens qui me supportent sur Patreon, les gens qui sont abonnés sur Twitch et les gens qui sont dans le follow sur YouTube, leur donner un peu plus de points parce que c'est des pouvoirs que je peux leur donner. Ah, typiquement, si tu me donnes 10 euros par mois, tous les mois depuis un an, et tu me dis je veux mon guide éco en short, ouais, je... ouais probablement il arrive vite. Mais c'est ce genre de choses-là, je ne les ai pas encore créées dans l'écosystème de la chaîne. Ça fait que 6 mois que je suis là, et là on en est déjà à, je vous ai rajouté des lives, où ça fait... Depuis euh, ça fait bientôt 6 heures que, euh, <coughs> que j'ai la voix qui passe et qu'on dit des trucs, on dit des trucs. Je suis très content de ce qu'on arrive à faire, mais c'est la question pour laquelle je peux pas trop répondre à est-ce que tu me fais un guide sur, euh, sur ça? Je peux pas. J'ai pas assez de, de choses. Il faudrait qu'on soit trois et qu'on sorte quatre vidéos par jour. Mais là le problème c'est vous, à ce moment-là. Vous regardez plus assez. C'est le souci que tu vas rencontrer. Euh... Non, si je manque de questions qui me restent du temps, je ne vais pas lancer d'Aram Duver. Le but du jeu, ça va être que je vais me reposer parce que j'ai des vidéos à tourner. Et n'oubliez pas que c'est censé être la soirée que je passe avec madame. <laughs> Donc, euh, si je peux gratter une heure à la fin, je, je le ferai. Non, pas de soucis, Thomas mais, euh, Je t'ai donné la version euh, plus grande. Si tu pouvais créer une rune, laquelle ce serait J'ai déjà répondu trois fois à cette question aujourd'hui. Euh, en solo queue quel est le meilleur objectif à prioriser de manière à donner le plus d'outils à ses alliés pouvant être dénués de bras <laughs> est Incroyable la question <laughs> Oh les gens dénués de bras Tu peux les appeler les non-mangeurs de chocolat aussi. <laughs> Je pense qu'elle serait pas mal. Euh... Euh, Inhib, Drake, Nash. Euh... Dans l'ordre, les grubs, puis le... les dragons. Ensuite, les inhibés le... de le Nash. Euh, c'est ça. Accessoirement, pour les vidéos, je reviens là-dessus. Quand j'ai un build où je me dis, celui-là, il est en ce moment, je peux, je peux vous faire comprendre qu'il est bon, sans me faire taper dessus parce qu'il n'y a que deux joueurs qui le jouent, je fais une vidéo là-dessus. Quand j'ai des moments où je sais que ce build, j'ai trois jours dans l'année où je peux le sortir. Ça arrive. Le Warwick Blackout, c'est ça, littéralement, dans le chat. Euh... Que penses-tu de Fizz dans la méta Un champion qui est trop vieux. Il est bien designé, mais il est peut-être un peu vieux. Est... Avant, c'était le champion qui, de... qui te rendait fou. Aujourd'hui, tous les champions te rendent fou et plus Fizz. Et en général, les champions qui te rendent fou battent Fizz en plus. Parce que c'est des AD. Euh, c'est un souci. Que penses-tu de la Fearless Draft et de l'impact qu'il pourrait avoir sur l'équilibrage de certains champions aucun équilibrage sur les champions parce que le fearless, euh, le truc que ça va amener, c'est que ça va forcer notamment les équipes à avoir plus de stratégie. L'équilibrage des champions, bah je suis pas, ça va forcément avoir un équilibrage. Ça touche les pros, donc il y a des banneries qui vont bouger. Mais étant donné que, je crois que le le fearless c'est, le fearless c'est ah, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat Le fearless, c'est vous n'avez pas le droit de ban deux fois la même chose, vous n'avez pas le droit de pique deux fois la même chose. C'est ça, sauf pour la dernière game où là ça devient, euh, on revient en blind et tout est open. C'est ça si je me trompe pas. Parce que c'est sur les bans. Si t'as pas le droit de ban deux fois la même chose, ça veut dire que tous les pics vont devoir être bons, donc tu es obligé de jouer contre les op et tu as accessoirement le droit de pique tous les op. Donc ça devient even parce que bah il n'y a pas le blue side qui est obligé de permaban le le picopé. Il peut être joué. La question c'est est-ce que les bans tu peux les avoir plusieurs fois. C'est surtout le fait de pouvoir permaban un champion qui change l'équilibrage. Oui il y a plusieurs formes de fearless. En fait ça dépend de la forme de fearless. Le soft et le hard fearless. <laughs> tu es sans peur mais mou. <laughs> Oui, donc en fait, je ne peux pas répondre à cette question. Oui, en fonction de comment sont touchés les pros, ça va changer l'équilibrage, pourvu que ça touche tout le monde, parce que Riot, ils sont un peu worldwide sur l'équilibrage. N'oubliez pas que les stades de la Chine auxquels on n'a pas du tout accès, on va tellement y avoir... Enfin, donner moi un site. Mais je ne peux pas... C'est pas légal. Euh, je ne peux pas faire quelque chose. Euh, sans peur, mais Oui. Alors, les first times... First time en normal, oui. First time en flex, non. En ranked, je pars du principe que si je first time, tu pars du principe que soit tu es très bon à prendre les champions, et ça c'est une stratégie, tu es très fort à avoir 80% de l'efficacité d'un champion, tu veux jouer vite. Dans, dans ce cas-là, first time en ranked, ça fait sens parce que tu veux gagner. Soit la ranked, c'est ton espace d'entraînement, coucou les pros. Et euh, dans ce cas-là, tu veux que les adversaires soient aussi forts que possible et te mettent une tôle. Cependant, je pense que pour un... Pour s'entraîner, le mieux c'est d'aller faire des games où tu vas turbo très fort et tu vas perdre très vite. Un pro, son Hello c'est important. Vous, votre temps c'est important. Comment est-ce que vous gagnez du temps sur un champion Déjà, euh, si le champion est déjà joué, vous commencez par faire quelques cops VSIA. Parce que les COP VSIA, en une heure, vous ferez 4 games. Vous aurez 4 débuts de partie. Vous saurez ce que les sensations quand vous êtes trop fed. Ensuite, vous regardez les guides, les machins, qu'est-ce que je dois build. Déjà, ça va vous enlever tous les builds ou vous vous en sortez pas. Vous regardez des combos. Comme ça, vous commencez les combos, vous allez en entraînement et vous testez les combos pour les faire. Et là, juste en 3 heures, vous allez éliminer 30 games, donc 30 heures de jeu, où vous n'avez pas à perdre ce jeu, donc vous allez plus vite. Et c'est pour ça que je dis que le first time en ranked, moi, je ne mets pas la pierre sur les gens, mais je trouve que c'est inefficace. Si on a temps infini, oui, tu first time en enquête. Si on a un temps limité, il me semble qu'il y a toujours que 24 heures dans la journée. En tout cas, si vous ne les trouvez, vous me le dites parce que je cherche. Oh non, rajouter 6 dans la journée, qu'est-ce que je ferai avec Oh Déjà, je remonte master. Euh, ce genre de choses-là. Et peut-être dormir avant. Vous voyez, les priorités. Euh, mais vous avez ce genre de choses à créer. Et pour moi, first time, c'est pas une bonne idée. Euh, D'ailleurs, je first time très peu en enquête. Riot dit que sur des champions sains, vous avez besoin de 10 games avant d'être plus totalement débutant. Sur un champion normal, vous en avez besoin de 30, 40 ou 50. Lifetime, hein Mais ce genre de choses-là. Master supérieur à dormir. Moi, je suis un maître à dormir. Euh, mais je dois avouer que Tatenashi, Sarashiki, les first time, trois mots, une question et autant me faire parler, pas mal. Tu restes quand même probablement dans un des plus gros ratios euh, me faire parler sur ce que tu as vu. Ah! Salut les lariva, je suis un grand main, Tom. Tu es donc une personne que je n'aime pas beaucoup. Parce que je déteste un time cash Je me suis rendu compte qu'un Billy de tant capé top lane est très Tu viens de descendre de deux étages dont je t'aime pas beaucoup. Cœur Riffmaker, mes méga et ravageant. Oui, j'ai vu ça, j'ai un de mes potes qui s'appelle Hiverne. Euh, oui, son pseudo, c'est Ivern pied. Voilà, c'est comme ça. Il joue Hiver dans 11 pieds et il avait l'original avant qu'on puisse avoir les tags. Euh, il, quand il joue bot, alors j'en ai un, un modérateur ici présent, qui joue Tahm full tank sans bot. Et l'autre, il joue Tahm hybride AP. Euh, les deux, quand ils sont bien dans leur game... Un peu envie de les. Enfin, quand on les regarde, le je fais Waouh! Et moi, je joue Garen Full Crit. Hein. À côté, je joue Garen Full Crit. Je dis Oh, c'est vraiment un champion ton truc là. <laughs> Parce que. Moi, je one-shot les gens, mais. <laughs> c'est pas comme ça. Et, Et... Et oui. Euh, non, les builds de Time Game sont forts. C'est juste qu'à un moment donné, ça périme un tout petit peu. Pas de bras, pas de chocolat. Yumi Top l'état. Envoie-moi des replays. Je veux voir ça. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer les nerfs d'Ilaoi Prochain pas, je trouve un giga main Ilaoi, ce champion peut très facilement counter. Alors, euh, normalement, je te les explique euh, genre mardi. Euh, ah, alors, oui, il est euh, si tu veux l'expliquer. Alors, je vais vous donner une info pour ceux qui parlent anglais. Euh, parce que là-dessus, c'est véritablement moi qui vais paraphraser fric une grande portion du temps. Vous avez. Quand on n'est pas bon, vous avez Fric qui fait des, euh, des rundowns et qui passe une heure. Littéralement, vous comprenez pourquoi je vous dis on ne fait pas ça en France Il y a un dev qui parle en anglais pendant une heure et c'est lui qui décide de ce qui passe ou ce qui se passe pas. Il est dans toutes les réunions. Et il vous explique. Tous les changements avec un PowerPoint où là, franchement, j'ai envie de lui dire Bro, 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 laisse-moi m'occuper de ça. Je vais juste faire un template et ça va être vachement mieux. <laughs> juste faire un template, ça va être beaucoup plus joli. Bref, <laughs> autre chose. Um, et qui explique tout. Uh, je n'ai pas vu Hilaoy et je crois que. Alors, il faut que j'allume encore Twitter. Uh, Est-ce que je les ai dans mes notifs Parce qu'en général, je les ai dans mes notifs. Euh, ah ah, c'est Riot Frogson qui les a mis Non, c'est Froxon. Il a un Z. Est-ce que je les ai vus quelque part les changements Voilà, je les ai. Ils vont les petits. Bonne nuit, Kital 5h du matin, je serais pas levé, moi. Là, clairement, tu vas avoir un nerf de notre ami. Tu me dis. Ah, je l'ai pas, ensuite j'arrête. Ah non, j'ai pas vu de nerf. Je, je vois pas a hein. Moi, je suis là, il y a tous les nerfs et je les ai pas, non Non, c'est le 14.21. My bad. Il y a pas la prévue du 14.22. Donc, je sais pas pour les nerfs d'Hilaoi. Donc, ça, c'est Spider-Axe. Bonjour, Spider-Axe. Ouais, on finit par les connaître, les sources. Alors, a Hilawa. Ila 14-22. Ah, c'était sur Riot Freaks. My bad. Illaoi, ici. Lui enlever de la mana et lui enlever de la dé de base. Franchement, c'est un moyen d'empêcher Ilaoi d'être un peu trop forte à bas niveau et de spam n'importe comment. Ça, la dé de base, c'est pas un petit nerf. Même si c'est pas comme ça que tu tues tes adversaires, c'est pour farmer, ça va t'aider et ça va quand même se, tra euh, se traduire un peu partout. La mana, c'est ce qui va te faire mal parce que tu vas quand même avoir un Q de moins à partir du niveau 6. Et... Il a œil, ça consomme un peu de mana. Ça va pas la tuer, mais là on est plutôt dans les pan-nerfs. On est plutôt pas mal. Alors... Et moi je pense que je vais arrêter là. Il est 21h. Je vais vous faire rapidement les dernières questions, et je ne prends plus de questions à partir de maintenant. Euh... Est-ce que... La finale de demain pour T1. Moi, j'aimerais que ça soit T1 qui gagne pour l'histoire. Et comment Riot doit faire pour empêcher les first time en enquête Ils ne peuvent pas. Les gens, euh, Riot n'est pas responsable d'empêcher les gens de se jeter par la fenêtre. Oh, de jeter leur FP par la fenêtre. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il faut first time à un moment. Et du coup, j'ai réussi à vous rattraper sur les questions. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. Il est 21h. Euh, si, si, hein, la question, elle est là. Hein. Win. J'ai pas FF. On a fait. 6 heures de live ensemble. Bien entendu, vous aurez les, re, les rediffusions qui arrivent euh, quand elles arrivent. Hein, là, je pense que ma monteuse a juste envie de, euh, elle a juste envie de FF là, le montage là-dessus. Euh, vous allez avoir, je pense, le super guide dans les prochaines semaines. Je vais essayer d'en mettre une par semaine. Et euh, la rediffusion, au moins du lobby, elle va arriver dimanche. Et en attendant, je vais laisser la rediffusion sur YouTube qui est déjà, et sur Twitch, je crois que j'ai pas le droit. GGSI, merci à vous d'avoir tous... Était là, et on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Vous l'attendiez cette fois, à plus en lane!